Hello les potos, j'espère que vous allez bien. Pourquoi ça marche pas ça? Déjà, pourquoi j'ai pas le chat? Pourquoi le chat ne s'affiche pas? C'est une catastrophe. Un début de live comme on aime. J'espère que vous allez bien les amis. Installez-vous confortablement dans ce découvert poupoune. Pourquoi j'ai pas? J'ai rien? Ah si, bah si, j'ai pourtant le début. Attends, je vais marquer. Bonjour. Un beau Daffy Duck, mon petit gousse-quoi. Ok. Ah, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas encore grand monde. Non, ça a l'air là. Attends, le gars, il fait des tests, hein, évidemment. Ça, vous en foutez. Vous avez l'habitude maintenant. Non, ça ne marche pas. Alors, attendez, l'endroit, je vais quand même essayer de trouver le pourquoi du comment. Vous n'apparaissez pas sur le chat. Pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu n'as pas envie aujourd'hui de marcher? Intéressant. Salut mon petit gousse-quoi, comment tu vas mon ami? Comment ça va? Comment tu vas bien en ce mardi soir? Pourquoi j'ai pas mon chat? Pourquoi mon chat ne s'affiche pas? Enfin si, j'ai mon chat qui est à côté de moi là, qui rôde pour faire des conneries. Je vous vois, je peux vous mettre en surbrillance, mais le chat ne veut pas s'afficher. Eh bien écoutez, ça sera l'hérésie du soir. Hey, coucou! Mon nom est Maximus Decimus Meridius. Merci à toi, mon Ludo. Merci pour ton renouvellement des 7 mois, mon pote. J'espère que tu vas bien. Installe-toi confortablement. Est-ce que la petite, elle avait taille? Elle avait taille Quendo, elle avait machin? Bon, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi le chat marche pas. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pourquoi il ne veut pas marcher aujourd'hui? Moi, je peux au moins vous mettre en avant. C'est déjà ça de gagner. Bonsoir les poupounes. Ça va, Tim ou Ludo? Comment ça va? Comment se passe votre début de semaine, les potes? Est-ce que ça va bien? En ce début, voilà. Normalement, on est tous déjà en repos pour une grande partie. Faites du travail. J'espère quand même qu'en 1er mai, vous n'êtes quand même pas grand monde à travailler demain et que vous allez pouvoir traîner, gamer ce soir ou faire ce que vous avez envie. Ou si vous êtes en mode première en ce samedi matin, l'Androche y passera évidemment en coupe-vent parce que je pense qu'il sera en mode kiné au sport. Mais bon, voilà. Est-ce que ça va bien, mon petit Ludo? Est-ce que ça va? Ta fille, elle avait taille? Est-ce qu'elle avait sport ce soir? Est-ce que tu es en mode taxi, les amis? Le programme de la soirée, je le rappelle, hein, on est sur une semaine en double dose. Il faudra que le chat il marche jeudi, parce que sinon ça va être un peu la merde. Puisque ce soir, on se retrouve donc pour la découverte Poupoun de Stellar Blade. Et je remercie vraiment PlayStation qui m'a fait parvenir la clé du jeu, voilà, qui va me permettre de vous le faire découvrir en un peu plus long que la démo qu'on avait testée ensemble. Et mercredi, demain, en mode première, vous avez la pastille 100% que pour les abonnés au niveau YouTube et les abonnés Patreon. Je rappelle le Patreon, hein, c'est souvent l'outil communautaire qui nous aide le plus en termes de soutien. Eh bien, vous avez déjà la vidéo en avant-première, mais elle sera pour tout le monde demain en mode première sur YouTube à 20h30, le 100% VOVF. De quel team êtes-vous, les amis? Vous nous le direz. Et puis, enfin, le dernier événement, ça sera jeudi soir. Voilà, premier jeudi du mois, les copains. Premier jeudi du mois, et on sera donc sur le 60 MTC. J'ai eu l'air bête de dire à demain au boulot. Bah non, t'es pas bête, on est tous pareils en fait. Bah, j'allais vous dire, les gars, là, faut pas se sentir bête, hein. Je pense qu'on est tous pareils. Je suis perturbé de ne pas avoir le chat. Je vous jure que ça m'énerve. Je vous jure que ça m'énerve, c'est un truc de dingue. Attendez, bougez pas. Je fais ça. Je fais ça. Non, il va pas revenir. Hein. Il va pas revenir, ce crevard de chat, là. Pourquoi t'es pas là, là? Et c'est un truc de dingue, ça. OBS, je te jure, tu muses, quoi. Il muse ce truc, quoi. Alors que ça, je peux vous le voir. Et je peux vous capturer ou pas? Est-ce que je peux faire un truc pour vous capturer vite fait, pour vous avoir? Est-ce que c'est important s'il n'y a pas le chat? Qu'est-ce que t'en penses, mon petit Gousquois, mon petit Ludo, là, vous qui êtes là? Qu'est-ce que vous en pensez? S'il n'y a pas le chat-chat, est-ce grave ou pas? Est-ce grave, docteur? Est-ce que c'est... Docteur, est-ce que c'est grave? Qu'est-ce
Qu'est-ce que c'est que ce chantier-là? Bref. Un début d'émission, évidemment, chaotique, les amis. Mais ça, maintenant, vous en avez l'habitude. De toute façon, tout ça sera bien sûr chapitré, comme on aime, parce que c'est un peu la base. Ça reste quand même la base. Bah écoutez, je vais laisser comme ça, parce que je pense que c'est OBS. Je pense que c'est OBS qui a fait planter. Qu'en se passe-t-il? Bah, il se passe, mon petit judo, que j'ai pas le chat. J'ai pas le chat qui apparaît. Et ça me perturbe un peu, oui. Mon petit judo, ça me perturbe. Et du coup, je posais la question, est-ce que c'est grave s'il n'y a pas de chat, en fait? Est-ce vraiment grave? Est-ce que c'est vraiment grave à partir du moment où, si vous êtes sur Twitch, vous l'avez sur le côté? Si vous êtes YouTube en mode première, bah, vous ne l'aurez pas, par contre. Voilà. Il n'y a que YouTube, en fait. Bah, si, entre vous, vous pourrez discuter pendant le chat, mais vous ne pourrez pas interagir avec ce qui va se dire. Écoute, on va le virer, vu qu'il ne marche pas. Il n'y aura pas de chat en avant. Il n'y aura pas de chat multi là. C'est pas très grave. On sera pas célèbre sur la toile, si, parce que regarde, je peux quand même te mettre en avant comme ça. Donc bon, allez, ce que je vous propose, on attaque du coup, on perd pas plus de temps, on a déjà perdu assez de temps, on attaque avec les News X, les amis, comme d'habitude. Cette émission, hein, on commence avec ce qui a un peu été sur les réseaux. Il y a eu pas mal de choses qui sont passées sur les réseaux depuis mardi dernier, et puis on attaquera après, comme je vous disais, la découverte ensemble de Stellar Blade. On ira un petit peu plus loin que la démo. En prenant le temps de fouiller et tout, parce que du coup, je commence vraiment le jeu avec vous ce soir, donc je veux vraiment voir ce que ça va pouvoir donner. En termes des News X, des News X, hop là, je vais chercher mon petit signet, clac, clac, qui est là. C'est une blague, en fait. Mais c'est une blague ce soir ou quoi? Il n'y a rien qui marche, en fait. Si, c'est bon. Ah, là, et non, j'ai cru que ça allait être une blague. J'ai cru que ça allait être une vraie blague. Tac, voilà, cette fois, on est bon. Et on va pouvoir regarder comme ça ensemble au niveau des news qui sont donc passées sur la toile. Allez, on commence avec la première, les amis. Let's go. Voilà, avec le petit filou qui a parlé, donc qui a pris parole aujourd'hui au niveau de Phil Spencer, puisque ça y est, le Xbox Showcase. Activision, Blizzard, Bethesda et Xbox Game Studio. Ça me fait marrer cette appellation-là, parce que pour moi, techniquement, ils sont tous Game Studio. Mais bon, pourquoi pas. Eh bien, aura lieu à 19h, heure française, le 9 juin, les amis. Voilà, c'est donc confirmé. Donc, on peut s'attendre. Souvent, le Xbox Showcase finit un peu les conférences. Donc, il y a de fortes chances que le 3 ou 4 juin, on se retrouve avec la Summer Game Fest. On y sera en Carroju, bien sûr, hein, mon Ludo. On y sera dans la team Carroju avec tout le monde pour suivre ce Xbox Showcase. Coucou ma petite Calypso, comment vas-tu ma Cali? On est en panne de chat ma Cali, mais je vous vois. Ne vous inquiétez pas, je vous vois. Donc en tout cas, hâte de découvrir cet événement où, bah, pour la première fois, Activision, Blizzard, Bethesda, tout le monde sera là. Et donc, bah, ça risque d'être un grand moment, surtout que vous allez voir. Il y a déjà des petites infos qui sont sorties un peu à droite à gauche. Non, pas toi. Il y a déjà des petites infos qui sont sorties à droite à gauche là aujourd'hui, qui, à mon avis, on les reverra au mois de juin. Hein. Vous vous rendez compte quand même, les mecs et les filles, que demain, en fait, on est déjà le 1er mai. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Team éclatac sur les rotules. Mais Macali, toi, tu bosses demain ou pas? Où est-ce que tu as le droit un peu de repos? Voilà, parce que... Évidemment, une grosse pensée pour les gens médicales, hein, qui, à mon avis, le 1er mai, c'est pas pour tout le monde, bien entendu. Donc, en tout cas, j'espère que tu vas avoir l'occasion un peu de te reposer, un petit calypso, voilà. Donc, ça, c'était la news du Fifou par rapport au showcase. Deuxième news, que non, une petite journée, bienvenue. Ah, ben ça, c'est cool, ma calypso. Tu vas pouvoir y sauver la démocratie. C'est plutôt une bonne nouvelle, madame. C'est ce qu'il faut se dire. Ensuite, nous avions donc... attends, si je fais ça. Si je fais ça. Et si je fais ça. J'ai tenté un truc. Hein. Hey.
Un génie, ce Landroche, et c'est pour toi, Steven, regarde. Et oui, tu as fait remarcher le chat, mon Dieu, voilà. Coucou LVB, coucou Steven, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, les potos. On vient juste de commencer les NewsX, où on disait donc que le Xbox Showcase aurait lieu le 9 juin, voilà, à 19h. Bon, il y a de fortes chances que je sois du côté de chez Juju et Caro ce soir-là, dans les pré-shows ou les machins. Enfin bon, on verra comment tout ça se goupille, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Installez-vous confortablement. On continue les amis sur la deuxième news X du jour. Hop là, attends, j'ai pas besoin de faire ça, j'ai juste besoin de faire ça. Voilà, avec donc Alan Wake 2, où on a appris aujourd'hui que à ce jour, Alan Wake 2 n'est toujours pas rentré dans ses frais. Voilà, après 6 mois de lancement, cet Alan Wake 2 n'est donc pas. Alors, c'est quand même une news à prendre avec des bémols par rapport à tout ça, puisqu'il faut savoir que le studio Remedy avait de toute façon tablé un retour sur investissement à la fin du premier semestre 2024. Le premier semestre n'est pas fini, hein. Le premier semestre, il se termine au mois de juin. Voilà, donc pour l'instant, ils ne sont pas dans les temps. Alors évidemment, on va déjà entendre parler que des gens vont être à fond en mode, bah, ils avaient qu'à faire du physique et tout. Voilà, donc bah, écoutez, on verra. Par contre, si vous ne l'avez pas fait, on rappelle que c'est quand même un des jeux avec Baldur's Gate qui a été le plus récompensé l'année dernière aux Game Awards. Foncez faire cette pépite narrative horrifique qu'est Alan Wake 2. Assez psychédélique, entre guillemets, au niveau de la tête. C'est pas facile à suivre, mais vraiment très, 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 très sympathique. Et coucou mon petit Mathieu, j'espère que tu vas bien. C'est le problème des jeux AAA, ils sont rarement rentables. Oui, mais à la différence, mon petit LVB, c'est que le studio Remedy l'a dit, hein, ils avaient quand même réussi à maîtriser les coûts, puisqu'on était sur un coût à peu près de 70 millions au niveau du jeu, hein, 50 à 70 millions. C'est Aymar qui disait ça sur X, justement, et que même avec ce coup-là, ils n'avaient pas encore la rentabilité. C'est surtout la problématique d'être, un jeu de niche, hein, le premier, il faut le rappeler, il n'a pas non plus cartonné des 1000 et des 100, et puis, deux, il n'est sorti qu'en numérique, donc basta les jeux physiques, basta tout ça. Donc là, j'allais dire, ils ont vendu plein de pots. Point de barre, donc si t'as pas vendu pour l'impo, bah forcément ça va être compliqué. Ils ont sorti le jeu dans une énorme période et c'est un survival. C'est ça mon petit Goose quoi, on est complètement d'accord. Hein. Voilà, j'allais dire la période là où il est sorti, rappelez-vous, c'est le fameux mois d'octobre de l'année dernière, où il y avait tout qui se suivait. Voilà. Moi je l'avais mis en tout cas dans ma liste, dans ma belle liste bien sûr de ce que j'aimais au niveau des jeux. J'ai adoré ce jeu. Moi, je me souviendrai de ce que j'ai joué au mois d'octobre. DLC de Cyberpunk, énorme dinguerie, Phantom Liberty, Mirage, que j'ai beaucoup aimé, Alan Wake, que j'ai surkiffé à ce moment-là, sincèrement. Et puis, il y avait le petit Mario aussi qui était sorti, que j'avais beaucoup aimé. Voilito. Coucou, mon petit Dutch, comment il va, mon petit Dutch? Il a passé un bon début de semaine, mon Dutch. Est-ce que la reprise n'a pas été trop dure? Parce que c'est fini, toi, les vacances, t'as repris, toi. T'as repris. Le digital, c'est bien, mais le physique, c'est quand même mieux. Oui, voilà, c'est comme le... c'est comme le virtuel. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi, forcément. Mais bon. Mais bon, écoutez donc, on verra. Comme je vous disais, hein, normalement, ils allaient jusqu'au premier semestre 2024. Le premier semestre se termine en juin. Donc, attendons fin juin. Mais même si c'était le seul dans son genre, les gens n'ont pas un porte-monnaie extensible. Ouais, Gusco, et puis tout le monde n'aime pas ça. J'allais dire, les jeux d'horreur, tout le monde n'a pas envie de faire ça. Là, il y a Caro qui était en train de streamer avec ma Mélichou d'amour qui était sur 60 jeux d'horreur. Là, je vous dis tout de suite, hein, les 3 quarts que j'ai vus, j'en veux même pas. Enfin, moi, c'est pas le truc qui m'intéresse au niveau de l'expérience, juste d'avoir les boues, t'as peur. Mais en plus, Alan Wake, encore une fois, c'est une suite du premier. Donc, tu sais, c'est comme le FF7 Rebirth, mine de rien. Tu exclus quand même déjà une partie des gens, par exemple, qui n'auraient pas fait le premier, qui se disent « bah ouais, mais je vais pas connaître l'histoire, je vais pas machin, je vais pas truc ». Enfin bon, il y a énormément du coup d'arguments qui peuvent rentrer sur le fait qu'une suite comme ça ne marche pas forcément. Maintenant, relativisons encore une fois, le jeu est une dinguerie au niveau de sa production, je trouve, et au niveau de sa réalisation, et même au niveau narratif, moi j'ai beaucoup aimé. Donc, on verra ce que ça donnera, les amis. Hey, coucou mon Théo! Coucou mon Théo, mais je savais pas que tu streamais Théo. Coucou mon Théo, merci pour ton raid mon pote. Mais je savais même pas que tu streames toi. Alors attends, surprise, Jeff Bridges reprendra son rôle de Kevin Flynn dans Tron d'Ares en salle en octobre 2025. J'ai pas vu Tron, Mathieu, donc là encore une fois, vous me prenez au dépourvu très cher.
Je ne connais pas la chose, mais je te fais confiance sur cette news. Eh ben justement, tiens, regardez, clac. Oh mon Dutch. Oh, tac. Attends, pourquoi il veut pas se mettre? Oh vas-y, mais tu me saoules. Il me saoule. Voilà, il veut même pas annoncer ce que dit Dutch. Eh ben je... Si, c'est bon. Attends, ça. Du coup, c'était quoi l'annonce d'Housemarque? Eh ben on y arrive, mon ami. On y arrive, l'annonce d'Housemarque. C'était en fait ni plus ni moins que un roman graphique, un artbook, une adaptation animée de Fallen Astaria avec un trailer sur YouTube. Voilà, donc en fait, le multiverse qui continue à travailler, le transmédia qui continue à travailler là-dessus. Donc voilà, c'était ça en fait l'annonce d'Housemarque. Hein. Beaucoup pensaient que ça allait peut-être être une suite, un DLC. Ou Kiki Quinty, rien de tout ça, les potes, voilà. C'est juste du transmédia, roman graphique, un artbook et une adaptation animée. Et du coup, c'est plutôt pas mal parce que je trouve que ça continue de garder, j'allais dire, l'univers au global de ce Returnal qu'il faudra que j'y retourne, justement. Mais bon, là, il est dans les cartons. Attends, je sais même pas si je l'ai pas mis dans les... Parce que là, ce que vous avez derrière, les gars, c'est jusqu'au déménagement, c'est les seuls trucs que j'ai gardés, ils sont derrière, en fait. Hein. Moi, j'ai tout misé là-dessus, les gars. Si, je me l'ai gardé. Ah, comme quoi, je savais que je retournerais dessus parce que j'avais trouvé que manette en main, c'était quand même un très bon kiff, ce jeu. Mais que je n'ai pas fini, bien évidemment. Mais bon, toute bonne chose, bien sûr, se continuera, quoi qu'il arrive. Allez, une autre petite musique. On continue avec les disponibilités bientôt sur le Game Pass. Prochainement sur le Game Pass, et ben vous allez retrouver notre découverte poupoune de la semaine dernière. Alors là les amis, si vous avez le Game Pass, foncez, courez, faites ce que vous voulez, mais allez me faire ce Brother, franchement, qui mérite toute votre attention. J'ai surkiffé le découverte poupoune de la semaine dernière. La preuve, c'est un des plus longs qu'on ait fait en découverte poupoune. Et franchement, ben là, allez-y, kiffez, hein. Là, disponible dans le Game Pass. N'hésitez pas, vous avez aussi le Kona qui est là, Big City, Little Kitty et le Tomb Raider qui est aussi dedans. Hâte de voir quand même la prochaine salve hein, des jeux qui seront disponibles dans le Game Pass puisque un certain Hellblade arrivera évidemment le 21 mai. Dans Returnal, je me suis fait retourner comme une crêpe bretonne. Non mais on s'est tous fait retourner Ludo, je cherche pas... On s'est tous fait retourner là, par ceux là qui me sortent là, qu'on est, que c'est des morts de faim de la manette. Franchement, voilà. Autre news intéressante, parce qu'il n'y en a pas que pour les adultes dans ce monde de fou, de timbré, c'est le Microïds qui a donc annoncé un nouveau jeu Schtroumpf qui arrivera bientôt, les amis. Les Schtroumpfs, l'épopée des rêves, c'est un platformer 3D, solo et coop. 4 mondes comprenant 12 niveaux et 16 mini-niveaux, PlayStation, Xbox, Switch et PC qui sortira en fin d'année. 2024, voilà, c'est toujours important, hein. Je trouve que Microïds, évidemment, ils se sont fait beaucoup taper dessus avec Tintin de chez Pendulo et même Goldorak Double Road, que moi, personnellement, j'avais beaucoup aimé par son ambiance. Oui, c'est sûr que ça remontait pas la roue, mais bon, c'était pas non plus du triple A à gogo, machin et tout, mais moi, j'avais trouvé que ça faisait le taf. La chose qu'on pouvait leur reprocher après, c'était le fait de ne pas avoir attendu que les studios aient le temps de bosser, à peaufiner tout ça. Mais moi, ce que je, vraiment, je retire mon chapeau, c'est qu'en termes de licence, aujourd'hui, ça fait partie des éditeurs qui montrent aussi des jeux pour enfants. Il y a les Astérix, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y a les Schtroumpfs. Et ben voilà, moi je sais que mes neveux ou mes nièces, ça vont être heureuses avec ça. Et ça, c'est bien ce qui compte, les amis. Il en faut pour tout le monde. Donc, Microïds, fin 2024, avec les Schtroumpfs, l'épopée des rêves qui arrive. Brother, tu le mettrais au-dessus du Tech Tool Androche? Ah, c'est différent. Ah, c'est différent. Différent, mon petit Dutch, pour déjà une raison. Déjà, Brother, tu peux le faire tout seul. Sans aucun problème. Sans aucun problème. Tu as vraiment l'émotion. T'as pas besoin d'être à deux, j'allais dire. Tu peux le faire à deux, mais t'as pas besoin. Il texte tout, t'es obligé. Voilà. C'est simple que ça, monsieur. Je pense que pour les... T'as pas le choix. Il texte tout, toute la démarche d'il texte tout, c'est que t'es quelqu'un à côté de toi et qui joue avec toi, quoi. Donc, à mon sens, hein. Voilà. C'est... je pense. Donc, voilà tout pour ça, au niveau de tout ça. Donc, en tout cas, vous me direz dans les commentaires, que ce soit en première ou là, sur le live, si les Schtroumpfs, ça vous intéresse. Au vu de vos réponses, j'ai pas trop la sensation. On avance, les amis, avec une autre news qui a été annoncée sur X, tout ça. Hein, c'est des news qui ont été en moins de 24 heures. Hein. Je vous ai dit, il y a eu énormément de news dans cette semaine. J'ai fait un tri, hein, on a gagné du temps, hein, je vous le dis tout de suite. L'extension de Starfield. Putain, Raphaël Farmer va se foutre de ma gueule. Bon, c'est Yannick qui l'a marqué, mais Shattered Space arrive
cet automne. Voilà, et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'on a de fortes chances de le voir au mois de juin, le 9 juin, au la conférence Xbox Showcase. À mon avis, bon, je n'ai pas d'insider, j'ai pas de gens qui m'ont vendu le truc, mais je ne serais pas étonné quand même que du petit Starfield pointe le bout de son nez. Je sais que mon Ludo, par exemple, a poncé le Starfield dans le chat. Donc, bah, vous me direz, les amis, si au niveau de Starfield, vous y retournerez. Moi, je pense que j'y retournerai. J'avais lâché le jeu parce que, à mon sens... Mais ça, c'est... Alors déjà... Et... Tout en soleil qui chante. Moi, c'est une alerte où je pense que je m'arrêterai pas de chanter ça. Mais du coup, moi, j'avais arrêté parce que j'avais trouvé que les quêtes secondaires étaient extrêmement bien écrites. Mais moi, la quête principale, je m'étais fait chier, quoi. Enfin, voilà, je me suis fait chier et du coup... Donc voilà, j'ai lâché. Mais bon, il faudrait que j'y retourne quand même puisque apparemment, tout le monde dit que c'est top. Donc voilà, donc il n'y a pas de raison. Complètement, je me jette dessus à l'automne pour mon Ludo. Bah oui, forcément, je me doute que toi, mon ami, vu que tu avais adoré la bête, bah, j'en attendais pas moins que toi. Une autre news, tiens, sur les jeux d'horreur. Cette femme, de toute façon, est une ambiguïté à elle toute seule. Puisque on a appris aujourd'hui, enfin hier, que Pokémon Go a généré 8 milliards de dollars depuis son lancement en 2016. 8 milliards de dollars depuis son lancement en 2016. Voilà, messieurs, dames. Merci. Au revoir. Merci d'avoir participé. Kenavo. Bye bye. Et voilà, hop là, on a gagné. Coucou, mon Dylan. J'espère que tu vas bien. Bienvenue, mon Dylan. Hello à toi. Eh, mon petit Seb. Comment il va, mon Seb? LeBron, Seb. LeBron, il s'est fait sortir. Fait chier. Fait chier. Moi, j'aime bien les Lakers. Ils se sont fait sortir. Ils se sont fait sortir. Incroyable, incroyable. Oui, bah oui, les gars. Oui, incroyable aussi Pokémon Go. 8 milliards, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord que là, on est quand même pas mal, les gars. Là, on est pas mal. C'est-à-dire que le petit jeu, là, sur mobile, 8 milliards, puis après, il y en a qui se demandent pourquoi Xbox a racheté Activision Blizzard. Ils pensent que c'est que pour Call of. Les gars, voilà. Je pense que tout ce qui est jeu mobile... Bah, Nintendo doit être content. Voilà, si vous voulez que je vous dise... Ils doivent être très contents, en tout cas, de ce chantier, les amis. Allez, on passe à la news suivante, en tout cas. En tout cas, bon, bah voilà. Mélissa sera heureuse. Mélissa sera heureuse. Ça va très bien, mon Dylan. J'espère que tu vas bien, toi aussi, mon ami. J'espère que ça va. Coucou, mon petit Farmy. Mon petit Farming Grom. Comment il va, mon Farmy, depuis tout à l'heure? Ça y est, c'est fini, les jeux d'horreur. Est-ce qu'elles ont fini, les filles, de s'extasier sur des pixel art? Ah, parce que là, mon Graf, quand il va regarder le replay du live de Caro... sur les films d'horreur, je peux te dire tout de suite. Raph, il va faire, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Bon, déjà, Raph, déjà, il joue pas déjà aux jeux d'horreur. Donc, bon, déjà, ça, on ne lui en tiendra pas trop rigueur, parce que sinon, il insulterait tout le monde, évidemment, au mètre carré. Mais donc, voilà, en tout cas, hop là, alors que là, je viens d'avoir un coup de stress, évidemment, le chat pourrait passer à gauche, pourrait passer à droite, mais non, il monte sur le bureau et... Monsieur, il trace tout droit, en fait. Vraiment des crevards, les chats, je vous jure. Il n'y a que Majuna qui dort là, qui emmerde personne. C'est pas possible ça. La news, autrement, l'autre petite news. Ah non, 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 mon sang n'a fait qu'un tour et je me suis sauvé. Et il y a Bayern Real au demeurant. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la Ligue des Champions. Il y a la Ligue des Champions. Ouais, bon. Oui. Voilà, comme quoi le foot, hein, quand vous pensez qu'à la base, j'ai passé énormément de temps sur les terrains. En tant qu'entraîneur, joueur, bah. Ouais, tu vois, ça me. Ça m'en touche une sans toucher l'autre. Je regarderai peut-être Paris quand même. Peut-être regarder Paris quand même. Peut-être pas déconner, c'est que club français, Cocorico. Mais ce soir, ouais. Le Real me fait pas rêver, le Bayern me fait pas rêver. Donc à partir de là, je m'attends pas à un match de rêve. Hop là, c'est parti. Tu nous diras, mon Farmy. Hein. T'hésites pas à repasser pour nous dire le score. Hein. Arsenal, on s'est fait. Et bah ça, on a vu. Hein. Quand tu vois que Candy Crush génère pas mal d'argent, Xbox ont les raisons d'investir. Ah bah Dylan, mais complètement. De toute façon, encore une fois, hein, nous, on est dans notre strat là, de jeux vidéo AAA, AA sur nos consoles. Mais les gars, il y a des jeux qui génèrent des milliards, des millions, et ils sont pas sur console. Donc, j'allais vous dire, à la limite, les mecs, ils savent où aller mettre leurs billes. Sea of Seas et des enfants, c'est le gars qui bafouille. Qui est dispo
aujourd'hui, les amis, au niveau de PlayStation. Et le jeu propose le crossplay avec Xbox, PC et PlayStation. Voilà, et bien écoutez, on verra ce que donnera dans les quelques semaines. Je rappelle quand même que le jeu était le jeu le plus précommandé sur le store de Sony. Vraiment, il y avait une vraie attente sur ce jeu. Moi, alors là, c'est peut-être le truc, on sera peut-être un... Il faudrait qu'on se fasse un truc là avec le Discord sur Sea of Thieves, parce que le problème, c'est qu'il faut un vrai équipage. Il faut comprendre comment que ça marche. J'y connais absolument que dalle au chantier. Mais le jeu, enfin Rare a fait un boulot quand même extraordinaire sur le jeu. Enfin, que ce soit en termes de contenu, je rappelle qu'il y avait eu à un moment donné des extensions de Pirates des Caraïbes. Enfin, il y a eu énormément de choses sur le jeu pour le maintenir du côté de Xbox. Et le fait de voir qu'il a été en plus le plus précommandé sur le store de PlayStation, mon petit doigt me dit qu'il était un petit peu attendu. Voilà, à la différence d'un Skull and Bones. Où je ne suis pas sûr qu'il y ait encore beaucoup de marins qui naviguent sur ces eaux-là. Mon petit Seb, top pour les joueurs PS5 et le porte-monnaie d'Xbox. Bah oui, hein, c'est tout bon, encore une fois, encore un move d'Xbox. Enfin voilà les gars. Les free-to-play sont tellement des machines à pognon, sauf pour le mode fut de EA FC24 qui est aussi une sacrée somme amassée. Ah bah fut mon ami, hein. Bon, je dis, EA aujourd'hui, son revenu c'est 70% par fut quasiment. Hein, donc... En effet, ils peuvent pas tous s'en occuper. Moi aussi, je suis largué, il faut que je me fasse une session avec Samavaga. Bah oui, ils sont à fond là-dessus. Eux, ils sont à fond là-dessus sur Sea of Thieves. Donc, mais oui, non, mais c'est clair. Mais moi, comme je vous dis, complètement largué. Autre petite news. Rise of the Ronin, qui, pour la Team Ninja, justement, fait mieux en termes de vente que la série des Nioh. Voilà, l'exclusivité de PlayStation, qui a donc annoncé ses premiers chiffres et qui est donc au-dessus en termes de vente. Eh bien, écoutez, bravo à la Team. Moi, je dois vous avouer que le jeu, à l'heure actuelle, je suis dessus. Je continue par petite lichette, j'allais dire, d'avancer tranquillement sur mon aventure. Bon, voilà. Voilà, je suis pas fifou. De toute façon, il n'y a qu'à regarder. Avec ma femme, on s'est mangé ce week-end. Est-ce que vous l'avez vu dans le chat, la série Shogun? On se l'est bouffé en 2 jours. 2 jours, on a bouffé les 10 épisodes. Une dinguerie, cette série. J'ai adoré cette série. Bah, quand tu vois que Shogun, univers japonais, tout ce qui va avec et tout, bon, bah, si j'ai envie de replonger dans l'univers japonais, pourtant, je suis sur Rise of the Ronin. Hein. J'ai plus eu envie de relancer Ghost of Tsushima que Rise of the Ronin. Voyez-vous, très cher. Et pourtant, en termes d'époque, je pense qu'on est plus proche de la Rise of the Ronin. Voilà. Mais franchement, voilà. Après, j'avance petit à petit. Moi, j'ai beaucoup de mal le fait que le personnage ne parle pas. En tout cas, quand on est en dialogue avec les autres. Enfin, moi, ça me sort complètement de l'immersion. Alors, quand je vous parlais là dans le 100% Team VO, Team VF, voilà, c'est, là, il n'y a même Team rien du tout, en fait. Il parle que sur les cinématiques. Et en plus, j'aime bien la VF quand il parle. Un régla pas assez mis en avant pour moi. Shogun? Ah bah ouais, non, mais... Ah, ou Rise of the Ronin, de quoi tu parles, Ludo? Je suis à la moitié de Shogun et j'adore aussi pour le moment. Une dinguerie, cette série. J'y joue en ce moment à Ghost, il est tellement bien. Ah bah ouais, non mais Ghost, Dylan, enfin là... Tu vas surkiffer, mon ami. Tu vas surkiffer. Ghost of the Tsushima, l'ambiance, la musique, enfin... Tout. C'est de la vraie poésie, ce jeu. Là où Rise of the Ronin, pour moi, n'y arrive pas à le faire. Voilà. Il y a... Jeu d'épée, ok, ambiance japonaise, ok, y a pas de soucis, y a pas de problème, voilà. Mais au niveau de la poésie, de l'ambiance globale, voilà, il manque un truc. Par contre, les combats, bah, Team Nioh, quoi. Voilà. Team Nioh, donc ça passe. Alors, autre news, les amis, qu'on a eu cette semaine. Alors là, celle-ci, elle est pas vieille. Et là, les gens, ils ont pété des câbles. Ils ont carrément pété des câbles. Regardez ce qui est en train de se passer en bas de votre écran. Sur la vidéo, les mecs étaient en train de faire un match en 2-7 gagnant. Et le gars, sur la balle de match, il est déconnecté des serveurs. Et hop, terminé. Tu peux même pas jouer. Tu peux même pas finir ton jeu. Parce que le jeu demande dans le mode carrière un support de connexion obligatoire. Et ça, je rejoins Fab dans ce qu'il mettait. Ne pas pouvoir jouer correctement en solo un jeu acheté il y a moins d'un mois, la connexion obligatoire est une putain d'escroquerie. Je le rejoins à 500 000%. Mais c'est une dinguerie.
dinguerie, sincèrement, ce truc-là. Franchement, que tu puisses pas faire ton mode carrière dans ton coin. Et ça m'est arrivé, moi, l'autre soir, je voulais y jouer. Et du coup, je lance le jeu et tout. Et d'un coup, les serveurs, ils lâchent. Et là, je me rends compte que je peux plus rien jouer. Putain, t'es pas au courant de ça, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire... J'allais dire dans les tests, les mecs, tu t'amuses pas à enlever la co pour vérifier si ça marche ou pas. Putain, ça devrait être indiqué, c'est quand même un truc de dingue. Mais moi, je trouve ça quand même gravissime que ton jeu solo, au niveau de ton mode carrière, tu puisses pas en faire ce que Dodson. Tu veux. Dodson est parmi nous, Dodson est là. Tout le monde s'en fout. Mais bienvenue, Dylan, bienvenue dans la team, merci à toi. Mais franchement, c'est un truc de dingue. Et c'est dommage parce que, alors après, par contre, boycott, machin, tout ça, parce que là, il y a tous les ayatollahs qui sortent dans tous les sens. On va en parler, vous allez voir, dans la continuité. Mais sincèrement, le jeu, au niveau gameplay, il n'y a rien à redire. Mais cette notion, voilà, de que les solos, aujourd'hui, aient une connectique Internet, c'est inadmissible. Le mec caché de top spin et qui a une co de merde, ça veut dire qu'il peut pas jouer, en fait. Il peut même pas faire son mode carrière si il a une co à recover à 2 degrés, quoi. Une co à recover à 2 degrés. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, mais je suis sûr que tu l'auras souligné, bien entendu. Mais c'est pas insister à prendre en démat, nous sachons. Mais c'est, bah moi j'ai pris en démat en plus, je l'ai pris en démat parce que moi sur ma portal, ça passe extrêmement bien ce petit top spin. Mais j'étais même pas encore abonné des autres. Ouais, bah t'inquiète mon Dylan, t'inquiète, t'en fais pas. C'est clair, c'est honteux. Et ouais, j'ai découvert cette actrice dans Monarch Legacy of Monsters. Ah, vous parlez de Anna Sawai. Oui, je vois mon Dylan. Ah, mais moi je suis amoureux. Une dinguerie cette actrice. Une dinguerie. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Donc ça, c'était pour le coup de gueule de Fab, que j'avais vu donc sur X. Et puis, il y a quand même un petit coup de cœur aussi à mettre. Ce sont les jeux suite au Xbox ID qui vont arriver dans le Game Pass. Et bien, écoutez, je vous les mets là pour que vous puissiez les voir, pour ceux que ça intéresse. Moi, je vais être très honnête, il n'y en a pas plus que ça. Hein. The Rewinder qui arrive le 29 avril, Astor le 30 mai, Humanity le 30 mai, Dungeon of Entenberg le 18 juillet, Commando... Origins qui arrive en 2024, Alionidis Help, 33 Immortal, celui-ci par contre est attendu hein, par plusieurs, Dépersonnalisation, Firework, Volcano Princess et Keplers, voilà, font partie des jeux qui arriveront au niveau de l'indé directement au niveau du Game Pass, voilà, donc pour ceux que ça intéresse évidemment au niveau de l'indé, on a une pensée pour nos hard goupils qui font vivre tout ça. Et on continue dans les joies de Top Spin, les amis. Donc, parce qu'il y en a qui se sont offusqués de cette photo, du contenu kit presse, kit buzz, appelez ça comme vous voulez, les gars, appelez ça comme vous, machin, mais arrêtez, les amis, je vous demande de vous arrêter, mais arrêtez, les kits comme ça, alors déjà, c'est intéressant, parce que déjà, personne de la presse, en fait, dit qu'il ne l'a reçu. Déjà, comme ça, au moins, ça, c'est clair. Donc, déjà, le bordel, on l'appelle kit presse. Personne de la presse ne l'a reçu, en tout cas, au niveau de l'actualité jeux vidéo. Que ce soit Juju, il a dit qu'il l'a pas reçu. Que ce soit Maxime Chao, il a dit qu'il l'a pas reçu. Mohamed Egouin, il a dit qu'il l'a pas reçu. Tout le monde a dit qu'ils l'ont pas reçu. Et en fait, quand tu fouilles, tu te rends compte que ce sont surtout les Twitchers, les streamers sur Twitch, ceux qui ont des grosses communautés. Je pense à Genius, puisque la photo venait de lui. Maxildan, qui a aussi dit qu'il avait reçu tout ça. Sont eux, en fait, qui ont reçu ces kits. Voilà, au niveau de la communauté. Donc, des mecs qui font pas de test, en fait. Bah, des mecs qui font pas de test, voilà. Donc, à partir de là, et puis, bon, bah, ils jouent au jeu. Et donc, ça veut dire que même ces gars-là, maintenant, bah, va falloir faire gaffe à ce qu'ils disent, machin. Mais arrêtez, putain. Suivez les gens avec qui vous avez des affinités et arrêtez de vous prendre la tête avec des ayatollahs comme ça. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Je vous jure que ça m'énerve. Je vous jure que ça m'énerve. Mais un truc, mais... Allez faire des... Ça a toujours existé, putain. Ça a toujours existé. Ah, oh, est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est pas réglementé? Est-ce qu'il faudrait réglementer? Bah ouais, certainement. Bah certainement. Bah les gars, allez voter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faites des choses concrètes, en fait. C'est pas en disant sur X, ouais, c'est inadmissible, ça va pas le faire, machin. Oui, bon, bah ok, merci. Merci. Mais bon, en attendant, c'est ce que disait... c'est Max Hildan, je crois, qui disait. Et il avait totalement raison dans ce qu'il disait. C'est de la pub. C'est juste de la pub, en fait. Le fait que cette photo fasse le tour des réseaux, c'est de la pub pour Top Spin. N'oubliez pas que dans le commerce de base, que tu parles de en moi, en bien ou en mal, c'est de la pub. Voilà, ni plus ni moins. Voilà. Donc en fait, tous ces gens-là font la pub du jeu. Écoutez donc.
Donc voilà, donc je rejoins après Ludo et la sagesse que je rejoins à 3000%. On continue dans la petite news, évidemment, d'OX avec The Last of Us Partie 2, où un nouveau document a donc appris que le jeu de PlayStation avait amassé 242 millions de dollars, voilà, au niveau de son revenu, qui en fait l'exclusivité, et qui est la quatrième exclusivité de PlayStation la plus téléchargé de tous les temps. Après, attention, hein, au niveau des chiffres, 242 millions de dollars, on va dire, ouais, c'est super, machin et tout. Les chiffres qu'on a eu de fabrication du jeu, ils sont quand même énormes. On parlait presque de 300 millions. Donc, voilà, on va pas s'enflammer. Maintenant, faudra voir avec la série, avec ce qu'il y a eu à côté au niveau de l'univers transmédia, avec tout ce qui peut se passer avec, et puis l'aura évidemment de la licence, hein. De voir en globalité combien ça aura coûté. En tout cas, moi, je suis très content. Un jeu que vous retrouvez en let's play sur la chaîne YouTube, évidemment, qu'on a fait ensemble, que j'ai surkiffé. Ouais. Ma deuxième run, là, au niveau du remaster de cette année, pour moi, c'est une dinguerie. Allez, autre petite news. Ça doit être rarement rentable, les triple A. Bon, je pense que les triple A... Bah, un peu comme au cinéma, quand même, mon Dutch. Mais je pense que les triple A, c'est avant tout une vitrine qui te sert à vendre aussi le reste, quoi. En fait, ça revient à ça, à mon sens, hein. C'est-à-dire que le triple A, c'est quand même la grosse exclusivité qui va faire que les gens vont venir sur ton service plutôt que sur un autre, quoi. Comme pour Netflix ou comme pour les autres, en fait. Quand ils vous sortent des gros blockbusters qui coûtent la peau du cul, c'est surtout pour attirer du monde sur son service et après de compter sur les rétentions. Bah, aujourd'hui, on est un peu là-dessus, hein. C'est-à-dire que les triple A de chez Sony, les fameux solo narratifs à consonance cinématographique, ils sont là pour répondre à ce qu'aime en fait leur public. Mais après, on l'a toujours dit, hein, ce qui ramène du pognon aujourd'hui sur les stores, c'est Fortnite, c'est IFC, c'est Call of Duty, c'est Apex, voilà, c'est tous les jeux après qui sont faits à côté, quoi. Oui, ton raid a marché, mon Théo, merci encore. Il sera aussi sur PC. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il sera certainement... Quand ? Mais il arrivera sur PC, parce que de toute façon, c'était prévu. Hein, donc, mais il doit y être, d'ailleurs. Pas dire de conneries. Oh, je sais plus. Comme le bol de sangria en Mariel. C'est ça, exactement. Ça attire. Exactement, voilà, on est complètement d'accord. Coucou, mon Carcla. T'inquiète pas, mon Carcla. Les replays sont là pour ça, mon ami. Merci encore pour tes Carcla, qui fait partie de ceux qui mettent toujours un petit commentaire sous les vidéos YouTube. Merci, mon pote, merci. Le petit soutien. Bon, bah nickel si ça va, Théo. Ça sert royal. La petite news qui va faire plaisir. La petite news, la Paris Games Week qui s'est conviée pour octobre 2024. T'as le gars qui arrive plus à lire. Il est que 21h30. Le 23 au 27 octobre. Et j'y... Alors, si la patte folle est bonne, j'y serai cette année. Voilà, c'est décidé. C'est décidé. Je sais pas comment, mais on y sera. Voilà, on y sera cette Paris Games Week pour rencontrer le maximum de monde possible. Voilà, donc ça fait partie en tout cas des choses. De toute façon, ma fille est sur Paris. Je lui dis, tu accueilleras ton père. Voilà. Mais comme ça, ça fait partie de voir la famille. Donc si elle regarde le replay, faut pas qu'elle oublie. Hein. Elle en parle à son mec. Mais bon, voilà. En tout cas, cette année, je vais essayer de venir sur la Paris Games Week. Si évidemment, après. La chouille et toute la clique le permet. Et puis, on essaiera quand même de se faire un événement chez nous. Voilà, côté réel, côté de l'Ouest, on essaiera de se trouver un petit lieu pour se faire une petite journée pique-nique, machin, passer un petit moment ensemble pour ceux qui auront envie. Voilà, pour ceux qui sont dans l'Ouest, voilà, on essaiera de se caler ça tranquillou. Ah, toi, mon Seb, toi-même, tu sais, t'es pas loin, hein, t'es sur la côte. Mais on essaiera de se faire un truc là. Et pourquoi pas, moi, je pensais, quand le Hellfest sera fini, on a le site du Hellfest qui reste ouvert. Et on peut aller emmener les glacières et faire un pique-nique là et papoter toute la journée. On en reparlera, on se calera ça, je pense qu'on se fera ça sur la rentrée en tout cas. Voilà, c'était un peu l'idée comme ça, entre guillemets. Mais mois d'octobre, ce qui est sûr, on sera à Paris. Enfin, ce qui est sûr, la grande chance qu'on soit à Paris. Voilà, coucou mon petit Jean-Pierre, comment tu vas l'ami? Comment il va mon petit Jean-Pierre? Il y en a qui vont à la Paris Games Week, est-ce qu'il y en a déjà qui savent qu'ils vont aller à la Paris Games Week? Dites-moi les amis, est-ce qu'il y en a déjà qui savent que au niveau de leur truc, c'est décidé, je serai à la Paris Games Week cette année, ou pas du tout? Ou pas du tout. Hop là, pourquoi ça? Merde, putain, c'est pas dans le truc, c'est là.
tac, voilà, je voulais mettre le bonjour du petit JP avec son petit chouette qui est toute mignonne. Alors, Joki, oui, moi c'est sûr. Je sais que je peux pas pour Sev. Il y a eu le trailer de Sparking Zero, une tuerie. C'est quoi ce... Ah oui, j'ai vu passer mon petit Théo. Je l'ai gardé pour la semaine prochaine celui-là. Je suis pas contre y aller, mais la foule quoi. Ouais, bon après, moi je vous dis, j'y vais juste pour la balade. C'est moi je vais y aller pour la balade, ça permettra de vous voir certains d'entre vous au niveau du salon, papoter un peu, machin. Mais moi j'y vais pas pour aller faire la queue pendant 8 heures dans les chantiers là. Parce que, moi il m'a pas... Quoi que vous me direz qu'avec ma chouille, en 5 mois, j'ai appris la patience. Voilà. Donc ça sera l'occasion de voir si on aura le moyen. Trop cher. Bah Théo, je te comprends. Moi je te comprends. C'est pour ça que je disais, je suis content d'avoir ma fille par là-bas, parce que je lui ai dit, tu as logé ton père. Comme ça, on gagnera parce que les paiements des nuits là-bas. Tu perds les bras là. Pas sûr, moyen que j'y aille, mais pas sûr à 100%. Ma Calypso, à voir. Voilà. En tout cas, comme je vous dis, on essaiera de se caler un truc dans l'Ouest avant, entre nous. Voilà, pour ceux qui sont de la région nantaise et autour, on essaiera de se trouver voilà, un petit truc sympa à faire. À faire entre nous, on en parlera sur le Discord justement. Hey, Macalypso qui renouvelle. Mon nom est Maximus Decimus Meridius. Maximus Meridius, merci ma petite Calypso pour ce sub. Et merci encore à tous de votre soutien. Oh, je vous aime d'amour, vous êtes vraiment des grands amours. Du coup, la dernière news, les potes, la grosse dernière news, et elle repart sur Xbox, qui aura été un peu le fil directeur de cette News X au moment de cette soirée. Gears 6 serait bien dévoilé en juin. Une nouvelle source l'affirme, cette fois c'est l'acteur qui incarne Jill Phoenix qui tease le prochain opus de la série pour le 9 juin pendant la conférence Xbox de l'été. The Verge avait laissé entendre la même chose au début du mois. Gears, qu'on retrouvera bientôt en découverte. Poupoun, je veux vraiment vous la faire découvrir, cette licence. J'ai adoré. Moi, j'ai vraiment adoré. Ça fait partie de mes belles découvertes sur Xbox. Est-ce que vous êtes Gears ou est-ce qu'il y en a qui jouent dans le chat à Gears ou pas du tout? Est-ce que c'est pas du tout votre cam Sans plus, j'allais dire. On approche des grandes conférences. Ah bah oui, hein, parce que Xbox ayant annoncé le 9 juin pour sa conférence, on le rappelle, à 19h, heure française, le 9 juin, donc c'est le dimanche, hein, je ne veux pas dire de conneries, comme l'année dernière en fait. Hein. Vous avez de fortes chances que la Summer Game Fest soit juste avant le 6 ou 7, là, en plein milieu de la semaine. À mon avis, voilà, hein, sans trop mouiller, je pense qu'on ne sera pas loin de ça. Tac. Hop là. Je remonte. Tac. Allez, tout ça, c'est bon. Hop, je ferme. X, on n'en a plus besoin. Est-ce que vous avez vu d'autres news qui vous auraient marqué au niveau de cette semaine, les amis? N'hésitez pas à me le dire, évidemment, dans les commentaires. Gears à fond les ballons pour Ludo. Ah ouais, non, mais cool. Team Gears. Ah bah oui, mais moi j'ai vraiment adoré. Alors, j'ai commencé à partir du 4. Alors, les spécialistes de Gears diront, ouais, c'est là qu'il a pris un virage qui est un peu moins intéressant et tout. Moi, j'ai surkiffé. Franchement, j'ai surkiffé. Linéaire, droit devant, tu désingues tout ce qui bouge, une histoire. Tiens, bah du film à la Netflix, en fait. C'est du film à la Netflix, les gars. C'est que ça se prend pas la tête, ça remplit des cases, c'est droit devant, tu déglingues tout ce qui bouge. Moi, j'ai adoré. Oui, j'ai joué, j'ai fait le 5. Le 5, tu vois, bah, le 5, Mathieu, par exemple, personnellement, j'ai un peu moins accroché au démarrage pour la bonne et simple raison que je trouve que d'avoir fait un semi-monde ouvert à la con, là, encore une fois, là, bah moi, ça m'a... Justement, j'ai perdu le rythme de ce que j'avais trouvé dans le 4, personnellement. L'opening Night Live, c'est quand? Bah, ce sera la semaine d'avant, je pense, Théo, hein, sans trop se mouiller. Si c'est le 9 juin pour la prise de parole au niveau d'Xbox, t'as de fortes chances que l'opening Night Live arrive le jeudi d'avant. Voilà, donc dimanche 9, samedi 8, vendredi 7. Allez, je te parie un petit jeudi 6. Voilà, à mon avis, je pense qu'il sera là, l'animal. Jouant sur PS5, c'est l'exclu Xbox que j'envie le plus. Ah bah, tu m'étonnes. Bah, en même temps, c'est une des plus iconiques avec Halo et Fable. Je veux pas... Et les Forza et trucs de sport. Mais j'allais dire, c'est quand même l'une des licences les plus iconiques qui existent sur la Xbox. Voilà, les Gears. Et franchement... Ah ouais, quand t'aimes le côté bourrin et tout... Ça fait le taf. Et l'histoire est vraiment très sympa. Et surtout, d'après Julien, code dans la foulée. Oui, mais ça, c'est pas... Ça, JP, ça, de toute façon, qui est code,
c'est... Enfin, paraît logique. Paraît logique qu'on voit Call of Duty de toute façon au mois de juin. Si tu veux, ce sera pas une... C'est pas non plus une énorme news que de se douter qu'Xbox va pas communiquer sur une des licences les plus lucratives au monde. Enfin, voilà, ils ont récupéré le bébé, c'est pas sans vouloir faire offense à toutes les licences, ils ont pas racheté Activision pour aller faire la pub de Martine à la pêche, quoi. Voilà. Donc, t'es sûr que oui, le 9 juin, ils vont balancer les cartouches, hein. Ils vont gros... Et n'oubliez pas qu'en juin, ils ont dit aussi qu'ils parleraient d'hardware. Voilà, il y a un hardware qui sera annoncé en fin d'année, il y a un hardware qui sera annoncé au mois de juin, et très honnêtement, moi, j'espère... Mais alors, je croise les doigts partout. Fais-moi une Portal, bordel, version Xbox. J'aime tellement ma Portal, vu que je peux pas monter tout le temps dans ma pièce, que je suis un peu bloqué à droite à gauche. Moi, les Top Spin et les Rise of the Ronin, en ce moment, je suis sur Portal. Et je suis bien content de l'avoir. Je suis vraiment bien content de l'avoir. Bisous, mon petit Seb. Bisous, bisous à toi, mon loulou. Bonne soirée. Toujours pas de nouvelles de Fable. Non, et j'ai peur que Fable, mon petit LVB... Pas pour tout de suite, hein. Voilà, il a été annoncé très tôt en trailer d'attention, mais je pense qu'il y a encore un peu de taf. Par contre, on aura peut-être un trailer un peu plus gameplay cette fois-ci au niveau de Fable. Ça serait cool quand même, en ayant voir un peu plus. J'espère des news de Silent Hill Remake. Ah bah là, bah écoute, faudrait que PlayStation parle pour ça, mon cher Théo, hein. Faudrait que PlayStation ait envie de parler, parce que sinon, ça va pas le faire, hein. Et bientôt Hellblade 2, ouais, 21 mai, il arrive en octobre le nouveau code, et il taffe sur casque VR Xbox. Non, il taffe pas sur le casque VR, on en a parlé Théo la semaine dernière, Meta, entre guillemets, va faire un Meta Quest aux couleurs de Xbox, mais ça sera un Meta Quest en fait, voilà. Mais je rappelle que sur Meta, aujourd'hui, tu peux jouer à ton catalogue Game Pass sur le casque VR Meta, hein, et tu as du coup la possibilité de jouer sur grand écran, mais Xbox est... va pas attaquer la VR plus que ça. Ils ont rien en tout cas annoncé dans ce sens-là. Après, peut-être surprise. Écoutez les potes, ça on n'en sait rien. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur les News X au cours de ce début de soirée. Ce que je vous propose les amis, on va pouvoir aller mettre maintenant notre grain de sel avec Eve en découverte poupoune sur Stellar Blade les amis, que j'ai vraiment hâte de mettre la main dessus. On va remercier Sony Interactive qui a fourni la clé pour vous montrer le jeu ce soir, pour voir ce que ça donne. Et puis, j'essaierai de vous faire un c'est quoi à mon avis, pour remercier évidemment PlayStation de leur confiance. Moi, j'aimerais bien avoir des news de mon ado qui passe ses journées dans sa chambre. Bah, il joue à quoi ton ado dans la chambre, Dutch? Est-ce que tu as essayé quand même une communication? Est-ce que tu as tenté une petite communication comme ça, de savoir à quoi il joue? Il est gamer ou pas l'ado? À quoi ça joue l'ado? Tu vas le faire, Hellblade 2? Ah oui, Hellblade 2, bon Théo, on le fera en découverte poupoune, ça c'est une certitude. Ça, c'est une certitude, c'est un des jeux que j'attends, moi, au niveau d'Xbox. Sachant que... Alors après, est-ce que je le finirai? J'en sais rien, parce que moi, le premier m'est très vite tombé des mains. J'avais beaucoup aimé le côté énigme, j'avais beaucoup aimé le début et tout. Mais à la fin, compliqué. Et justement, on en parle d'Hellblade 2 pour les membres soutien YouTube et Patreon. Vous l'avez déjà en avant-première sur YouTube, c'est le 100% de demain avec le bro Eddy, que vous retrouverez aussi à 20h30 en mode première sur YouTube demain soir. Et justement, sur la VOVF, moi j'ai un petit coup de gueule quand même sur la VF de Hellblade. Bah c'est simple, il n'y en a pas. Voilà. Donc, et moi je trouve ça pas normal, perso. Donc voilà, mais lui non. Mais moi j'aurais bien voulu une VF avec un qualité d'acting qui aille avec tout ça, histoire de vraiment être en totale immersion dans le jeu. Ça sera pas le cas, voilà, donc ça sera tout, mais ça demain, mode première, si t'as pas déjà vu la vidéo, au niveau du 100%, de toute façon on a tourné 3 des 100%, là. Et d'ailleurs c'est marrant parce que, pour ceux qui sont avec moi ou qui découvrent en replay, c'est très très drôle, parce que là on a fait VOVF, bon, il n'y a pas eu de drama encore là-dessus, on a fait peut-on encore faire confiance aux tests dans le JV? C'est drôle parce qu'aujourd'hui, il y a eu tout un drama là, avec les press kits, machin et tout, les trucs à la con. Et on a fait le dernier, c'est « Est-ce que le jeu vidéo est trop cher ?» Et le jeu vidéo est trop cher, vous le retrouverez également jeudi soir en 60 MTC. Je vous le rappelle, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, que tu regardes ce live Twitch, jeudi soir, 21h, le format badass de la chaîne, enfin des chaînes entre guillemets, le 60 MTC à 21h sur YouTube, en live les amis, où là on va revenir sur... Nintendo, si tu n'as qu'une Switch à la maison, est-ce que tu es capable de faire l'année 2024 qu'avec ta Switch?
Ah, on va poser la question justement, et on a Crixus qui adore cette console, qui sera avec nous, qui pourra en parler. Il y a aussi le Bro Benoub qui sera là jeudi soir. Le deuxième thème donc, c'est est-ce que le JV c'est pas trop cher aujourd'hui? Est-ce que vous en sortez vous? Est-ce que vous arrivez est-ce que vous arrivez hein? Est-ce que vous en sortez? Est-ce que ça, entre les abonnements, les prix des jeux et toute la clique, il y a quand même un petit peu de quoi faire. Et puis enfin, la dernière interrogation qu'on se posera avec évidemment Mamie Lichou d'amour, c'est quel est le jeu de ce premier trimestre, j'allais dire gros premier trimestre, qu'on arrive déjà au mois de mai, qui vous a marqué? Quel est le jeu qui vous a vraiment marqué en ce début d'année? Vous aurez ma réponse jeudi soir en live sur YouTube pour le Découverte Poupoule. Bon, le vieil Eloise a mal à la tête. J'ai suivi en duel ton stream et le live de Carole en faisant des captures pour aider Carole. Alors, ouais, mais c'est ça mon pote. Attends, il bosse partout mon Ludo. Il est efficace Ludo. Mais t'es efficace mon pote, c'est pour ça. C'est quoi ton attente de ouf cette année? Mon attente de ouf cette année, elle n'est pas encore annoncée. Voilà. J'ai aucune attente de ouf moi cette année. Hein. Sérieux. Dites-moi dans le chat si vous en avez une. Moi j'en ai aucune pour l'instant. J'en ai vraiment aucune. Donc on attendra que c'est pas un emploi fictif Ludo. Ah non Ludo il chambre. C'est pas Polo là. C'est pas notre Polo là qui passe de temps en temps à faire coucou. Et puis hop, il s'en va, machin. Non, non, notre Ludo il charbonne. Que ce soit auprès de la carre au jus, que ce soit à la maison ici. Il est partout. Coucou mon petit Riaz. 21. Mais, mon petit Riaz, Hellblade 2. Voilà le live de Carole. Je suis à 100%. T'inquiète, mon Ludo. Coucou, mon petit Happy Star. Coucou à toi. Bienvenue à toi. Star Wars. Ah, bah oui, Star Wars Outlaws. Oui, celui-là, je l'attends, par contre. Lui, je l'attends. Si j'ai vraiment une attente, c'est vraiment Star Wars Outlaws. Voilà. Allez, hop, ce sera beaucoup plus celui-ci, du coup. On est complètement d'accord. Ça va, ma petite Sly? Comment elle va, ma Sly? C'est ça, hein. Happy Star, c'est Sly, que je dise pas de conneries, parce que... il me semble que c'est ça. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Donc, les potes, voilà. Donc, on a tous compris. Mercredi, demain, 20h30, le 100% première, en mode première. Allez mettre nos commentaires sur le sujet du jour, donc Team VO ou Team VF, et puis jeudi soir, le 60 MTC que vous aimez tant, qui ne fait pas 60 MTC que vous aimez tant, mais ça c'est pour mon papada qui vient d'arriver. Moi je fais mon polo, je passe faire coucou, je retourne avec les loulous. Eh bien, papada est un follower fictif. Et ouais, Landroche, il a des followers aussi fictifs. Il a des modérateurs fictifs, et il a des followers fictifs. Et ça les gars, c'est le talent. Cherchez pas, c'est le talent, évidemment. Bisous, mon petit papada, profite bien. Ah, tu vois, ma petite slide, je m'en souvenais que c'était ça. Oui, j'ai vu la série Fallout, Théo, on en a parlé la semaine dernière, mon loulou. Donc, faudra aller voir le petit replay qui est sur la chaîne YouTube de la semaine dernière. Les viewers fictifs, ouais, bon, tout est fictif, en fait. Tout est arnaque sur cette chaîne, les enfants. Tout est arnaque complet, bien sûr, comme vous le savez, comme mon anglais, enfin bref, la totale. Donc, bon, Stellar Blade. Est-ce qu'on va aller voir ce petit Stellar Blade avec, comme d'habitude, en août, on a deux gros jeux, Star Wars et Black Myth Wukong. Alors moi, Black Myth Wukong, je m'en tape le coquillard comme en 50. Je vous le dis tout de suite. Alors là, parce que ça, je sens que c'est un jeu qui va être extrêmement difficile. Ça va se faire rouler dessus. Donc ça, je laisse ça à ma Samuel Shani. Je laisse ça à Caro. Ils vont faire leur délire. C'est comme le Elden Ring, là, le DLC, là. Balek. Oui, Nicky Larson sur Netflix, j'ai vu, et apparemment, les retours sont bons. Les retours sont bons, mon Ludo. Donc, je pense que je vais regarder. Ton gameplay est fictif, c'est clair. On est d'accord, mon petit papada. On est d'accord, bien sûr. Mais on va y aller sur Stellar Blade, parce que c'est quand même PlayStation qui m'a offert la clé. Donc, on va quand même y aller, les enfants. On va aller présent. On va aller regarder la belle Eve, voir comment que ça se passe. Et justement, voir comment que ça se passe. Allez, j'arrête de jacter. Déjà, première chose... On va aller voir le... tac, je coupe la musique de fond. La bande-annonce du jeu, les amis. Stellar Blade, en découverte poupoune ce soir. Allez, c'est parti. Rated M for Mature. Thank you. Lily. Were you the one who sent the rescue signal?
This is the largest land I've ever seen in my life. Even in the darkest times, it's always safe to bet on human survival instinct. We would like to know the truth. Why are you so worried? I mean, our ultimate goal is to save Earth and the future of humanity. Humanity's greatest and only hope for survival can be found in Mother Sphere. This is what she left for the world. Her legacy. Everyone's happy to call you the Angel just because you came from the colony. Nobody roams these lands free of suffering. You're leaving to do something important, right? This one won't be easy either. No one has ever made it back alive. All I ask is you give us hope. May your memories live. May your memories live. May your memories live on forever. Is this what Adam was talking about? We have to go down. You can't come back from this! This is what I was born to do. This is my battle. Everyone, I'm sorry I couldn't do more to help. I'm so, so sorry. Stellar Blade, les amis, qui est donc arrivé sur PlayStation depuis le 26 avril. Voilà, donc ce Stellar Blade. Alors, est-ce qu'il y en a dans le chat déjà qui l'ont peut-être commencé? Quel est votre retour? Je vois que Maslide met que le gameplay de Stellar Blade est génial. La beauté des persos. Les amis, oui, moi je suis assez d'accord. Moi, Eve, moi je le dis tout de suite, hein, j'adore beaucoup. J'adore beaucoup. Et donc, on va aller regarder parce que c'est vrai, moi, ce qui m'avait fait peur un peu sur les tests, ce qu'on avait pu un peu entendre à droite, à gauche, c'était plus l'interrogation des dialogues et de l'histoire. Mais apparemment, bah, tous ceux qui sont au niveau du retour disent que l'histoire est plutôt sympathique. Donc, avec deux fins différentes en plus. Donc eh ben, écoutez, on va aller voir ça ensemble. Mais juste avant, évidemment, le CV de Stellar Blade, donc à qui on doit ce jeu à Shift Up, voilà, Corporation, évidemment, avec Sony Interactive, puisque c'est dispo que sur PlayStation 5 à ce jour, au prix de 79,99€, qui est donc sorti le 26 avril. Et Stellar Blade est donc un action RPG coréen développé par l'équipe de Shift Up Corporation, sorte de mix entre Bayonetta et Nier. Ce jeu vous proposera des combats nerveux, effrénés, tandis que vous évoluerez dans les décors étranges, rappelant l'œuvre de Yoko Taro. Eh bien, écoutez, les amis. Je vous mets ça vaut 10. Non, je n'ai aucun risque, mon petit Ludo, évidemment, parce que ma femme n'est pas là. Donc forcément, le gars prend pas de risque en disant ça. Mais je trouve d'ailleurs, c'est vrai que la sexualisation de l'héroïne, on a entendu beaucoup parler, hein, le côté, j'allais dire très asiatique, de mettre la femme en avant. Moi, ça me dérange pas, perso, ça me dérange pas. Ce qui me dérange le plus, après, personnellement, c'est plus après tout ce qui va être accessoirisation et tenue que l'héroïne peut trouver. Soyons clairs, si c'est pour la foutre encore plus à poil, sans aucun intérêt. J'aurais trouvé ça plus intéressant personnellement qu'au niveau du loot, par exemple, on trouve des tenues avec des spécificités techniques et tactiques qui font que voilà, ça te change un peu au niveau de ton gameplay ou qui peuvent t'amener de la défense, voilà, ou que tu peux jouer avec certaines choses. Là, mis à part la customiser à ta façon, aucun intérêt. Donc, bon, écoutez, en tout cas, ça n'empêche que c'est une très belle femme et moi, j'aime beaucoup, voilà. Ça me fait toujours marrer d'ailleurs qu'une DA comme ça soit mise en avant et tirée à boulet rouge. Personne gueule sur les mangas du Club Dorothée de l'époque, qui était quand même très, 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 très limite par moment, quand même. Tac, allez, c'est parti les enfants, Stellar Blade. On va donc découvrir ça ensemble. Il faudrait un jeu comme ça, version homme, pour Raphaël. Ah bah, ça va, attends, il a eu son cloud, Riaz. Donc, à un moment donné, voilà. Ma petite Sly qui dit « Je suis une fille et perso, le perso sexy ne me dérange pas, j'ai pas compris la polémique. » Bah, parce qu'on est dans un monde, ma petite Sly, où tout le monde fait des polémiques pour rien aujourd'hui. Enfin, voilà. C'est devenu un sport de faire de la polémique sur de la polémique. Sincèrement, enfin, voilà. Mais encore une fois,
Alors, je le verrai parce que le jeu, je le commence avec vous ce soir et je vais le continuer et tout. Et je vous ferai, je pense, un c'est quoi mon avis, ne serait-ce que déjà pour remercier PlayStation d'avoir fait la clé et donc d'aller jusqu'au bout et de vous dire après mon ressenti à la fin par rapport au jeu. Mais je trouve que voilà, au niveau des tenues, t'as le droit d'être sexy. Après, il faut rester quand même dans le respect au niveau des corps. Enfin, ça, après, c'est mon sens, quoi. Parce qu'après, le respect au niveau des corps, j'allais vous dire, il dépend aussi de chacun. Où est-ce qu'on place le respect? Toujours la même chose. Vous n'avez pas dit le mot magique. Voilà, vous n'avez pas dit le mot magique. Donc, voilà, Lito. Merci, Ludo. Il aurait un grand écran tout propre, notre affaire. Ah, bah, ça, c'est clair, il va lécher toute la télé, lui. Donc, ne vous inquiétez pas, mais il l'a déjà fait avec Cloud, hein, pour qu'on gagne du temps. Donc, l'avantage de Stellar Blade, c'est qu'on va partir directement dans l'aventure. Vous me direz, dans le chat, si au niveau du son, tout est bon pour vous. Découverte Poupoune 126 sur Stellar Blade. Let's go, les potes. Mode histoire. Moi, je le fais le faire en histoire, je vous l'annonce tout de suite. Hein. En plus, Caro, elle m'a dit déjà qu'en histoire, j'allais prendre déjà des branlées, donc... Let's go. Transmission, dernier briefing. L'escadron aéroporté 7 doit désormais exterminer les Nightiva Alpha qui occupent le district 3. Ils ont pour objectif de capturer ou d'éliminer le Nightiva ancestral. Entrée module dans l'atmosphère. La musique, c'est une dinguerie. Une minute avant franchissement du seuil. Complètement slide. C'est beau quand même, hein. Atterrissage module terminé. Suppression bouclier physique. Ouverture trappe. Ok, donc ça je m'en souviens. La trappe. Allez, allez. Ah oui, mais je regardais pas. Madison. Bah, il mignonne aussi, Tachi. Prends ma main. Bah, c'est bon, je regardais, les gars. Oh, ce côté très japonais, ça sort. C'est du Zack Snyder, c'est. Ok, allez, on est parti. Manette en main. Let's go. Prends le côté gauche.
Je m'occupe du côté droit. Ok. Attaque puissante. Ok. Ok. Évidemment que j'ai eu un réflexe de combat, les gars. Le point de rendez-vous est à 2h, à 400 mètres devant nous. Ouais, la mise en scène, c'est quand même une dinguerie. C'était moins une. Comment on a fait pour se battre avec des talons comme ça? C'est quand même très très dessiné. Attention, d'autres arrivent. Ça, c'est là. Ok, ok. Hop, tu utilises ta compétence d'état. Voilà, j'ai défoncé. Bien, allons-y. Ok. J'ai mal au bras. Tout va bien, Eve. J'ai un peu de nouveau bras. Mon châssis corporel. Mon châssis. C'est du Zack Snyder, ils ont foutu des ralentis Merci. Partout les gars. Alors, utilisez une potion. Encore d'autres. Allez, vas-y. Allez, là on a le combo de deux. Oh comment je t'ai déboîté. Oh d'accord. Alors yes comme ça. Ok, ok. Okay. Pas. Partons avant d'en avoir d'autres sur ah le dos. Ah oui, c'est ça me fait rire parce que le jeu, vous avez, je sais pas si vous aviez vu ça, hier, c'était un peu offusqué que le jeu n'était pas moins de 18. Dans certaines régions du monde. Par ici. Et alors que Dead Space, lui, avait le droit à cette notification-là. Fais bien attention à Gartner. Ça prend d'un coup l'image là. Et je me disais, bon, Stellar Blade, c'est parce qu'il y a pas de démembrement. Ok. 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 Hey, continue, ne t'arrête pas. Je m'arrête pas, hein, mais c'est chaud là. Ouais, ça claque un peu quand même. Ah, on l'a pris quand même celle-ci. C'est la mise en scène, c'est quand même une dingue. Ça ne présage rien de bon. On y va. Ok, on y va. Amishabi Alpha. Mais c'est un Aitiba. Un Aitiba, c'est pareil, allez, c'est son frère. Allez. Tous nos collègues, quand même. Ok. Ok, pourquoi pas. Why not? Why not? Un vaisseau sur la gueule, ça marche bien aussi. Mon dieu. Elle a mal à l'autre bras maintenant. Non. Non. Les signes de vie de l'escadron. Voilà, il n'y a plus beaucoup. Il n'y a plus que nous. On n'est plus que deux. Eve. Eve, ressaisis-toi. Eve, lève-toi. C'était facile. Takshi. Écoute-moi bien. Nous n'avons pas terminé notre mission. C'est à nous d'aller jusqu'au bout maintenant. C'est compris ? Oui, on est que deux.
Les filles du chat, on peut vraiment se battre avec des talons comme ça? Je pose la question. Je suis très sceptique. C'est pas mort le truc? Mais non! Eve, es-tu prête? Bah ouais, let's go! Allez! C'est bon, on peut le défoncer? Allez, hop là! Vas-y. Ok, là j'ai une prise. On peut se mettre un stick. Allez, dans ta gueule. Merde. Merde. Ok, j'ai quand même réussi une parade. Voilà, double parade. Et c'est quand ils arrivent les attributs. Merci, Tachi. Déboîté. On l'a déboîté, le cochon. On l'a déboîté. Ce n'était pas un alpha. On est d'accord, Allison. Puissant. C'était pas un alpha, ça? Tu t'es bien battu. Encore mieux qu'à l'entraînement. Ah, faut mieux. On était tous ensemble. Et puis... Ton châssis corporel est endommagé. On doit trouver le camp de ravitaillement. Ok. Donc là, on était sur la phase de tuto, les amis. Que j'aime beaucoup pour l'instant. Attends, Eve. J'entends un bruit. Décidément, on aime se prendre des trucs dans la gueule quand même. Eve, est-ce que ça va? Naitiba Alpha. Ah, ça sert à grand, ça, d'accord. Putain, la DA est quand même sympa. Hein. Ok. Donc lui, ça va être une autre paire de manches, quoi. Par ici. C'est moi que tu veux. Non! Eve, va-t'en d'ici. Tachi! Ok, bon, très bien. Et eh ben au moins ça annonce la couleur, les gars. Sympa, ça c'est fait. Bon bah, Tachi était mignonne. Voilà. Pas de bras, hein. Pas de chocolat. Pas de main. Pas de 51, bien sûr. Eh ben les amis. Mais j'aime beaucoup la DA par contre. J'aime beaucoup, beaucoup. Vous êtes beaucoup à l'avoir fait du coup ? C'est calme. Oui, restons quand même sur nos gardes. C'est là qu'est le Naitiba Alpha. Ok. Donc là, on s'en est sorti comment en fait? S'il était en phase de nous, le truc, il nous a pas défoncé alors qu'on était à moitié KO. Why not?
Why not, les amis, pourquoi pas? Je n'ai rien contre cette vision des choses, bien sûr. Maintenant, prépare-toi. Je serai en support avec le drone. Ça, c'est le mec qui se mouille pas, tu sais. Non, mais regardez, elle a des... C'est quoi ces pompes, là? On dirait des sabots de cheval. Donc, c'est ça, Eidos 7. Eidos, c'est la Terre. Oui. C'est le dernier champ de bataille de la civilisation. C'était aussi connu pour être une ville colossale. Ouais, c'est joli, hein, putain. Quelque chose tombe du ciel. Une étrange sensation. La pluie. Ça doit être la pluie de la Terre. On admirera le paysage plus tard. On a du travail à faire. C'est vraiment joli, hein. Les franchement, les amis. Changé récemment. Coucou mon Irène, comment ça va? Eh ben écoute, ça va bien. Toucher la touche. Non, c'est pas ça. Toucher la touche là qu'il a dit pour voir les options. Apparence de drone débloquée. Ok, alors voyons voir. Les missions elles sont là. Les sacs c'est là. Compétences c'est ici. Banque de données, ok. Personnage, le manuel pour les combats de base. Les paramètres. Butin automatique, ça s'est activé. Parce que tout. La taille de la queue de cheval. On peut changer sa taille de queue de cheval. C'est une blague. D'accord. En fonction si on veut la coiffer ou pas. En fonction de ce qu'on veut faire. Pourquoi pas. On a les commandes, le son. Haut-parleur sur la manette, bah, désactivé, ça sert à rien, de toute façon je suis au casque. HDR, c'est normal puisqu'on est en boîtier de capture, on est en français. Il y a pas mal de trucs quand même. L'ATH, vous pouvez le régler aussi à votre façon, ça j'aime bien quand vous avez le choix par rapport à votre exploration, si vous les enlevez ou pas. Les manettes qui nous rappellent bah, évidemment toutes les compétences. Ok. Et bah écoute, on découvre Red, hein. On avait fait déjà la démo, hein. On avait fait ensemble en live d'ailleurs sur Twitch. Et là, on remercie Sony. Des éboulements. Eve, attention. Donc un double saut là-dedans. Quelque chose approche. C'est un ennemi de type crustacé. Il y en a beaucoup par ici. Okay. C'est bon. La voie est libre. Ok. On va fouiller évidemment un peu, hein. C'est la légion décimée lors de la dernière guerre. La musique est vraiment sympa aussi. Hein. Roa. Ok, emplacement. Ok. La puce mémoire renferme un code crypté. Ok. C'est un code de sécurité, comme un permis d'accès. Oui, de l'accessibilité, c'est bon, ça on aime bien. Oui, hein. Longueur queue de cheval avec des sabots. Je suis assez d'accord avec toi, JP. Ça, je les pète, ça. J'ai toujours peur après, moi, que ce soit des fantômes qui se réveillent, ce genre de truc. Essaie d'entrer le code. Ah. Ah merde, je sais plus c'était quoi. Oh putain, c'est pas possible. Pourquoi il met... Ah voilà, on peut le mettre en astuce une fois qu'on l'a trouvé. Parce que j'allais vous dire... On n'est pas obligé de s'en souvenir quand même. Vous avez fait votre journée de boulot, là. Ça a marché. Allez, ça a marché. Merci Adam. Les bâtiments s'effondrent. C'est à cause du sol instable. Sympa cette ville. T'y habitueras bientôt. Bon bah de toute façon, hein, on n'est pas obligé de tout prendre Day One, hein. Encore une fois, il y a tellement de jeux qui sortent, puis après il y a un backlog, mais c'est un truc de dingue. Moi je sais que sur le mois de mai, j'ai un peu moins de choses qui m'intéressent, à part évidemment Blade. Hop là. La Légion a un camp dans un endroit pareil. Moi je pète tout. Moi je pète tout hier. Ouais. Hop, on pète tout, on sait jamais, au cas où ça se réveille, même si ça se réveille pas. Ok. Alors ça m'a fait délirer dans la démo. Le côté, il y a un camping en fait. Les camps sont des endroits où vous pouvez vous reposer, enregistrer vos progrès, récupérer des bitcoins près des camps pour les activer. Okay. Lorsque vous êtes dans un camp, vous pouvez vous asseoir sur une chaise pour récupérer des PV et recharger votre injecteur de plus. Un peu comme un feu de camp entre guillemets dans Elden Ring. Les objets stockés dans Razerev seront transférés dans votre sac s'il reste de la place. Certains ennemis reviendront à la vie si vous reposez dans un camp. Ok. Principe. Des trucs qui nous font chier. Lorsque vous êtes dans un camp, vous pouvez utiliser les distributeurs pour acheter des objets et terminaux vous permettre d'apprendre et d'améliorer vos compétences. Ok. Très bien. Ouais, bon, on va mettre une pièce. Voilà, on a mis une pièce dans le jukebox.
Donc, utiliser le magasin. Bah là, pour l'instant, on n'a pas de thunes, de toute façon. Là. On a 69. Ouais, ok. Donc, tout coûte 400 balles. Donc, autant vous dire, les gars, pour l'instant, on est des mendiants. Paramètres de compétences. Est-ce qu'on peut améliorer des choses déjà sur les compétences dans notre arbre? Confirmé. Oui, on en a une en haut qui est là. Donc, appuyez sur R2 pour passer à l'arbre de vie sur... Ok, donc il y a un arbre survie. Et on sélectionne après là où on veut aller, quoi. Ok, ah, donc je suis obligé d'aller là-dedans. Ok, donc il me laisse pas le choix pour l'instant à prendre une compétence. J'ai appris ça. L'esquive parfaite. Ok. Très bien. Donc ça, on a l'esquive déjà. Il est cool, j'ai fait la démo aussi. Après, moi, c'est surtout, j'enchaîne beaucoup de jeux, j'en découvre énormément. Je voulais dans la wish. Vas-y, Sparrow, je t'en prie. Hein. Continue à grimper en plein milieu. Hein. Mais quel chieur ce chat, je vous jure. Va falloir que tu craftes. Ouais, bah ça, comme tous les jeux, ma petite Allison, c'est normal. Hein. Évidemment. Dans tous ces jeux-là, de toute façon, en action RPG, le craft, c'est la vie. Le loot, c'est la vie, évidemment. Oula. Ah, on va fuir. Ok. Ça va? Merci Adam. Merci. C'est rien. Maintenant, Eve, tu dois rester sur tes gardes. Ok. Ok. Le jeu passera pas par toi, Allison. Après, il reste quand même... De ce que j'ai compris, ça reste quand même du jeu accessible. Hein. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de l'assistance aux actions dans le mode histoire. Tant que l'assistance est action, le temps est ralenti. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ça, c'est cheaté, ça. Ça veut dire que quand il va attaquer... J'ai le truc qui... C'est dégueulasse, toi, tu craches quoi? Vas-y! Sérieux? Et d'où j'étais ralenti là? Il y avait rien de ralenti là, monsieur là! Ah! Il y avait... C'est un ancien point de ravitaillement de la Légion. D'accord. Il y a des choses utiles dedans. Maintenez pour sélectionner la potion de votre choix. Ok. Eh bien, c'est la Légion. Donc ça devrait être compatible. Donc là, on a un stick. Restaure la V à la manière continue. Restaure instantanément une grande quantité de PV. Hautement concentré, ressource instantanément les PV. Ok. Ça, ça restaure les PV, quoi. Pense bien à tout récupérer. Ok. Ok, bah là, on a tout pris, hein. Donc là, là, on a tout pris. Ok. Alors, c'est quoi, ça? On a gagné un micro-propulseur. Je sais pas à quoi ça sert, les gars, mais on a gagné un micro-propulseur. Oui, ça fait traîner, hein. Attention. Tu vois les rapides en bas? Si tu tombes, c'est fini. Déboîter direct. Voilà. L'équilibre. Définir la capacité à rester en position. Ok, c'est les petits points. Vous pouvez briser l'équilibre en effectuant une parade parfaite lorsque vous brisez son équilibre. Ok. Ok, bon, on l'a déboîté. Lui, on l'a déboîté, les gars. Je sais pas si ce qu'on a fait est bien, mais. Oh, vas-y, j'avais mis la parade là. Ok. Ah, il y a des QTM et tout dans les combats. Oh, ça, c'est stylé. Ah oui, c'est qu'il va falloir être concentré quand même sur le chantier, quoi. Ok, les gars. On s'en est bien sortis pour l'instant. Eux, ils sont relous. Ah, mais regarde, ils sont...
Banisher, ah mais Banisher, mais ça, mais quel jeu, moi, j'ai adoré. L'équipement permet d'améliorer les capacités de combat. Ah bah voilà. Ça, donc l'équipement, on peut remplacer. Appuyez sur la touche option pour aller dans l'onglet équipement pour accéder au menu. Ok. Donc là, tac. Alors attendez. Donc là, on a équipement. Donc allons-y. On va aller voir tout de suite ça, les gars. Objet de mission, matériaux, milliers, poissons, on s'en fout. Compétences, on s'en fout. Banque de données, on s'en fout. Bah attends, c'est où son truc là? Personnage, Naitiba, le sac. Objet important. Ah, c'était ça, c'était les ovnis là. Hop, objet de mission, objet utilisable, matériaux, munitions, modèles, poissons divers. Ok, bon, rien en fait. Ah, c'était là, je suis con. Oh, c'est pas possible ça. Équipement d'amélioration des enchaînements, donc ça c'est bon. Ok. Donc ça, on l'a équipé. Là. Aucun objet à équiper, ok. Ok les gars. Ok, donc il y a quand même du choix au niveau équipement, il y a quand même des choses à faire quoi. Ça c'est cool. Ok. Ouais, cette musique là, une fois que tu l'as en tête, à mon avis, elle part pas. Pour ordonner de scanner les environs, ok. Voilà, scan. Ok, il y a une caisse là-haut. D'autres villes sont-elles dans cet état? En comparaison, après l'extinction de la colonie, presque tout a fini en ruine. Ah, on peut grimper. Et sur la caisse là, je peux pas aller la chercher. C'est trop gros ça. Je pense. Ah bah, lui, il était pas jaune. Il y avait tous mettez pas en jaune en fait. Ok. Allez, on met ça. Ok, nano élément, on est bon. Hop. Ok. Attends, c'est une cellule à fusion. Ah, bien pris. Au moins la cellule à fusion. Ok. On a pas besoin qu'il nous parle en fait, on a vite compris. Coucou ma petit Milichou. Eh pas du tout, je suis pas mort une seule fois, Malou. C'était bien le truc de l'horreur. Est-ce que tu as trouvé des choses bien? C'est la version précédente de la cellule d'infinité. Tu devrais la garder. Elle a beaucoup de valeur. Bon, on va la garder alors. On va la garder s'il dit Adam. Permet d'activer un réacteur à fusion. Ok. Là, on peut aller fouiller là-dedans, les gars. Alors, lui... Ah ouais, donc, il y a des crevards comme sur Elden Ring et tout, en fait. Donc, il y a des crevards comme sur Elden Ring cachés derrière les murs, quoi. Ah ouais, ce jeu n'a vraiment pas de pitié, en fait. Non! Comment je l'ai évité? Il meurt quand? Ah, je crois qu'il n'allait jamais mourir dans le noir. Là. Si on casse les caisses, on a des choses ou pas? Ne la flattez pas trop, ne la flattez pas trop. Après, s'y habitue après, Vélis. C'est quoi ça? Ok, il y a un truc de mot de passe. Ok, il nous faut le corps d'un mec, j'imagine. Ah bah, ça doit être ça, non? La puce mémoire est grillée. Ouais, forcément. Forcément, c'était pas lui, quoi. Il y a un autre gars ou pas? Des fois, c'est chelou quand même, des fois, comment il saute, hein. Elle vole ou... On peut grimper ou pas? On peut pas grimper, ok. Allez, on est parti. On doit trouver ça ailleurs, je pense, du coup. De toute façon, on peut pas aller là. Si. Ça marche ou pas? Ça marche pas. Bah, t'as raccourci ça. Donc une maison ça.
c'est un piège. Il sert vraiment à quelque chose de la drogue. C'est quand t'es dans la merde qu'il te dit que c'est un piège, quoi. Ok. Appuyez sur le baril pour le faire exploser. Ouh, baril. Les amis. Ok, on les a zingués. Ah, je m'en doutais que ça allait se réveiller, ça. Daddy qui râle comme un daddy. Bah, daddy, il se démerde, hein, madame. Ok, c'est pas tout ça, monsieur. Ok. Ah ouais, d'accord. Le temps que je capte ce qui était marqué, en fait, c'était que je pouvais pas parer. Ah, c'est là où... Vas-y, sérieux, là ? Qui c'est le patron ? Qui c'est le patron ? Non, sérieux. Par ici. Ta parade. Il y a des traces de marqueurs laissées par la Légion. Elle me fait rire, Alissa. Mais ta parade. Je vais me faire engueuler, c'est par Alissa. Ta parade, mon Dieu. Pardon, madame. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, Alissa. La blague. Bah, t'as qu'à dire si tu veux pas sauter, toi. Attends, parce que là, on a plus rien. Attends. Hop. Voilà, remets-moi un coup de stick. Le patron qui a oublié au moins la parade 15 fois. Ouais, au moins 10 même. Alors attendez. Non, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Qu'est-ce que tu fais, toi? Mais non, dans l'autre sens. Ok. Elle est capable de voler comme une plume, mais par contre, quand t'as fait ces trucs-là, là, t'as l'impression qu'elle pèse une tonne, quoi. Ok. Y'a quoi, là? Pourquoi je vais lui faire descendre, là? Ok. Ah, je suis en train de revenir en arrière comme un con, en fait, là. Là, ok. Ah ouais, donc j'avais le choix en fait entre les deux, quoi. Ok, donc là. Ok, ok. Très bien. C'est où qu'il faut aller, là? Qu'est-ce que c'est? Ah, là, ok. Hop là, hop là. Donc là. Ok, ok, ok. Ok, donc ça, c'est pas très dur, ça. Tu dois traverser ici. Tu vois l'échelle derrière moi? Oui. Faut sauter. Je ne peux pas l'atteindre. Le niveau de l'eau est trop bas. Essaie avec la planche. La planche où je suis tombé comme une merde dessus? Très bien, monsieur. Mais elle attrape pas la planche, en fait. Elle la pousse. La blague! La blagounette, quand même! Alors, on est d'accord, la sensation d'escalade, elle est un peu zarbi. Elle fait toute légère et activer le camp. Allez, on active le camp. Ouais, mais je suis le daddy que des filles, moi, mon petit terrible. Coucou, ma Chantal, comment ça va? Non, mais R4, c'est pas pareil, Alison. R4, c'est pas pareil. Alors, qu'est-ce que j'ai le droit de prendre? Il y a des grenades, réinitialateur de PC, machin. Ouais, pour l'instant, je prends rien. J'économise.
je pense que ça sera mieux pour moi. Hein. Les compétences, est-ce qu'on peut... Ça, par contre, ça m'énerve, ça. Après, je vous jure, ça m'énerve, ça. Compétences. Exécuter un ennemi par derrière. Bon, on est pas trop dans la fufu, hein, chez nous. Qu'est-ce qu'on a, là? Qu'est-ce qu'on a? On a attaque. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'attaque? Ok. J'avais déjà appris cette compétence. Pardon, excusez-moi, je voulais pas vous offenser, machine, là. Hop là, merci. Remettez-moi, voilà. Donc là, vous récupérez lorsqu'une attaque blesse un ennemi. C'est bien, ça, non? Bah, je vais récupérer quand je blesse un ennemi. Ok. Ok. Là, c'est quoi, ça? Là. Bien, on peut faire tourner les musiques et tout. C'est bon, ça, les gars. Ça, c'est bon, ça. Bonne nuit à Elwes Junior, on est d'accord, les enfants. Donc, Mélichou, tu m'as dit ou pas? T'as pris des notes ou pas sur le truc, là? Le patron qui a oublié la parade 5 fois. Non, mais, alors, excusez-moi, mesdames, mais je ne suis pas mort encore. Mélissa, notre star. N'abusez pas. Bah, répète, parce que j'ai pas vu, Mélissa. Qu'est-ce que t'as vu? Sincèrement, quand vous m'avez montré les jeux avec Caro, je pensais vraiment à Rafam. Alors. On doit traverser ce bâtiment. Ça, c'est une bonne pioche. Tomber comme une merde comme ça. Là, tomber comme une merde comme ça, je peux vous dire que là, c'est quand même du... On est quand même pas mal. Je peux pas rentrer, là. Okay. Là, là. Ok. Ça vous veut battre. Okay. J'aurais bien été déglingué les autres là, attends. Viens là toi, j'ai envie de te déglinguer. Bah, est-ce que je lui ai mis les gars là? Mais est-ce que je lui ai mis les gars? Le gars il doit se dire mais c'est quoi ce joueur? Mais c'est quoi ce joueur qu'il a dû se dire d'un coup là? Bah, le talent, les gars, en fait. Le talent. Et qu'est-ce que j'ai gagné là pour lui avoir cassé la gueule là? Elle me dit pas que j'ai rien gagné. Hein. J'ai pas l'impression qu'on ait gagné grand chose. Ah merde, il était vraiment vivant lui. Je suis badass, les gars, quand même. Je veux pas dire, mais je suis badass. Ah non, 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 non. On va pas me refaire le coup de fou, là. Voilà, je suis badass, les gars. C'est bon, il a un code, lui. Et seul est Nativa. J'ai perdu la notion du temps. Car ça ne se corrige pas, tu vois. Ok, je dois compter les jours. Ok, mais il n'avait pas de code, lui, en fait, là. Mais ça, c'est pareil, il faut un code, ça, non? Ah oui, évidemment. Évidemment, les gars, on a rien, quoi. Je pensais que c'était le raccourci, mais non, en fait, même pas. Donc, en fait, on a que dalle, là. Ok, très bien. Voilà, on roche. Bien joué, on a bien fait de venir se balader par là, encore une fois. L'exploration, pas récompensée, une nouvelle fois, bien sûr. On aura vu au moins une belle fontaine, les enfants. C'est déjà ça de gagner. Allez, bon, bah rentrons dans ce bat alors. Ah, là il y a notre pote. Eve est protégée par un bouclier tant qu'il est actif. Elle... Le niveau de protection diminue à chaque fois. Ok, mais j'ai pas besoin de bouclier. J'ai déjà déglingué, je peux le redéglinguer. Un peu détruire plus de bouclier. Ok. Regardez, monsieur. Là, il y a une carte, les gars. On a gagné une carte ou pas? Adam? C'est quoi ça? Quoi ça? Je dirais que tu ne le sais pas. C'est une carte.
Une carte? Comment on peut synchroniser la position sur la carte? Mais non. Allison, tu as quand même pas tweeté les 60 jeux qui a eu présenté quand même. Bah va voir le replay, bon, j'ai pas que ça à foutre, madame. Je n'ai pas que ça à foutre, une petite dizaine. Bah, tu me diras la petite dizaine en privé, madame. Re, mon petit Ludo. Non, 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 non. On veut pas de notif Twitter, madame. Non, non, non. Non, non, non. Ne nous notifiez pas. Alors, attends. Hop. Là, on peut grimper. Bon, ben, regardez. Quand elle saute, là, elle vole. Et quand elle est sur les trucs pour se balancer, on a l'impression qu'elle fait 2 tonnes. Oh. Oh. On dirait une ancienne bibliothèque. Non, Calypso, j'ai pas le temps. Ces boîtes le long du mur, ce sont des appareils de stockage? Non, c'est des bouquins. Plus ou moins. Ils n'ont qu'un mégaoctet de capacité. Quel gâchis de ressources. Moi aussi, je t'aime, Amichou. Ouais, oh, oh, on se calme, là. On se calme, monsieur. Aïe. Je trouve pas que les trucs, ils reviennent... Les trucs reviennent pas très vite, quand même. Hein. Soigne-toi, soigne-toi, soigne-toi. Pas trop prendre la confiance, hein. Voilà, on gère. Ça, c'est bien joué, regarde, Mélichou. Ça, c'est du talent. Ok. La crevasse est profonde. Elle sera difficile à traverser. Bravo, Einstein. Heureusement qu'on l'a, lui, hein. Il va falloir passer par la tour de stationnement. Ok. Plus communément appelé parking, bien évidemment. Franchement, c'est pas mal, moi j'aime bien. Hein. Ah, ok. Ah, il y a la tour de stationnement, je suis con. Un camp de ravitaillement dans un tel endroit? Un camp de ravitaillement? C'est quoi? Bah, on en a vu déjà 3. C'est un dépôt. De l'escadron aéroporté qui est venu ici avant. Il a l'air d'être abandonné depuis longtemps. Pourquoi avoir monté un camp dans un endroit pareil? Oui, pourquoi? Eh bien, ces camps servent aussi de base importante. Et ce parking est important? Ça peut aussi signifier que cet endroit est dangereux. Ah, ça veut dire qu'il y a un boss. Ah bah oui, je suis con, la démo, les gars. Sur le pleu de toit, c'est là où que ça se terminait, je crois. En tout cas, cet endroit pourrait nous être utile. Ok. Donc là, en gros, il te recommande très fortement de sauvegarder. Ok. Ok, vous pouvez également améliorer vos drones, fabriquer des nano-combinaisons et vous téléporter. Okay. Activez le camp. On active. Ah, toujours des pièces sur elle. C'est important d'avoir une petite pièce sur elle, évidemment. Utiliser le magasin, paramètres des compétences. Est-ce qu'on a gagné des compétences? Oui, on en a gagné une autre, les gars. Ça, c'est bon, ça. Survie. Qu'est-ce qu'on a gagné en survie? Maintenez après une parade parfaite. Ça, je vais jamais y penser à le faire, les gars. Sélectionner ça. Apprendre une compétence. Apprendre Eclipse. Ok. Cette action n'est disponible que lorsque il y a une attaque. Vous esquivez l'attaque et vous téléportez dans le dos de l'ennemi. Pff, incroyable. Incroyable, j'aime déjà cette compétence. Ok. Sélectionnez une compétence terminale pour vous entraîner. Ok. Si vous n'avez pas l'habitude de combattre, vous pouvez vous entraîner à améliorer vos compétences pour accroître vos capacités. Lorsqu'un ennemi brille d'une lueur bleue et essaie d'effectuer une attaque mortelle, utilisez l'éclipse. Appuyez. Bon, oh, c'est par où? Ok. J'ai pas eu la sensation que ça ait marché. Excusez-moi, monsieur, je voudrais faire Eclipse. Okay. Envoyez-en moi un autre, ça marche pas sur lui. Ok. Là, ça a marché. Ok.
Donc c'est vraiment dans le timing pile poil. Vous pouvez vous retourner, monsieur, merci. Ok. Ok, ok les gars, ok. Je maîtrise. Non, je suis en mode histoire, mon petit Ren. Non, non, moi, encore une fois, hein, je ne suis pas de ceux qui cherchent la performance, comme j'allais dire, bien évidemment. Amélioration de puissance. Ah, attendez, ça on peut améliorer, donc ça on va l'améliorer. Puissance augmentée. Donc là, on va taper un peu plus fort. Là, on n'a pas ce qu'il nous faut, il nous en manque un. Donc ça, ok. Là, on a une téléportation, on va pouvoir aller ailleurs. On peut changer la chanson. Et on peut se reposer. Reposons-nous. Adam ? Oui ? À propos d'hier, merci de m'avoir sauvé. Mélissa va faire des soupes de poupe avec toutes ses créatures. Non, mais Mélissa joue pas à ça. Des talents, des talons ou des talents. Rien, vraiment. Bien que j'ai utilisé la plupart du matériel exogène que j'ai collecté au cours des années. Oh. Ce n'est pas grave. Ça veut dire qu'on peut s'entraider. D'accord. Ok. Ok. On peut rechercher le Naitiba Alpha en temps. Bon, il disait rien d'intéressant, je vous rassure. Voilà, les Naitiba vont réapparaître. Allez, se lever. Ok. Allez, on grimpe le chantier, là. Ça, on va reprendre nos capsules de soins classiques. J'arrive. Vous n'avez pas dit le mot magique. Ah, quel dommage de tout gâcher comme ça en si peu de temps, les amis. Les points de chaîne qui sont durement acquis. Vous avez tout grillé en 2 secondes. Allez, c'est parti. Tac, on monte. Let's go. Allons voir ce boss. Je vais le défoncer. Je vais le défoncer chouchou, les gars. Chouchou et Loulou. Regarde. Bah oui. Je vais te déboîter, gars. Allez, viens. Allez, viens, gamin. C'est pas un ennemi ordinaire. Oh, la mise en scène. Schneider Cut, les gars. Adam, recule. Allez, let's go. Oh, ce que je lui ai envoyé, la petite éclipse. Allez, on va essayer de faire un try. Mexico. Le gars qui arrive à faire deux choses en même temps. Il est pas content. Bouge. Allez, t'es vénère. J'avais l'impression de... Je l'ai pris. Okay.
Ben voilà, ça c'est fait. Oh, tu l'as vaincu, Eve. Ouais. Impressionnant. Ouais, le talent, évidemment. Ce n'était pas un Aitiba Alpha. Ça ne l'était pas, mais ça reste puissant. Ouais, mais ça n'était pas. Ça ne sera pas toujours aussi facile. Si, si, si. Peut-être. C'était Jean-Claude Aboitchi, bon, c'est ça. Dis-moi par où passer. En bas à droite. D'accord. Laisse-moi regarder les données cartographiques. Donc là, on avait fini la démo là-dessus. Voilà. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on va continuer un petit peu d'oiseau, plus. Le hall des archives est plutôt proche. Mais tout le quartier est submergé. Il faut trouver un moyen de traverser. Il me sert à quelque chose, du coup. Il y a un chemin d'accès, alors. J'ai trouvé. Ah voilà. Ça arrive à quelque chose, monsieur. Derrière la statue de pierre, il y a un module de transport que tu peux utiliser. Quoi ? Tu penses vraiment que ces modules abandonnés fonctionnent encore ? Le camp était en bon état, après tout. Mais ouais. On va rester positif, ok ? Bon, si tu le dis. Abaddon ! Mon nom est Maximus Decimus Meridius. Et merci, ma Maud, merci pour ton resub, merci à toi. Merci, ma Louloute, j'espère que tu vas bien, ma petite Maud. Bon, là, on a trouvé tout ça. Donc là, on a trouvé de quoi améliorer nos combinaisons au prochain arrêt. Un noyau d'armes. Alors attends, par où il a dit qu'il fallait qu'on se casse, lui ? Là-bas, qu'il a dit. C'est quoi, ça ? Ah, ben, c'est un camp. Bah attendez, les gars, on va se soigner quand même. On va se soigner quand même, on va pas être trop couillons non plus. Hein. Ne nous enflammons pas, bien sûr. Je garde mes thunes, parce que pour l'instant, on n'a pas besoin de trucs plus que ça. Qu'est-ce qu'on a là, on a bêta. Là, on a survie, attaque. Bêta, on n'a rien fait encore. Ça, c'est quoi? Vous libérez deux vagues d'énergie. Vas-y, ça gêne, ça. Ça, c'est quoi Allez, vas-y, ça aussi, j'aime. Voilà, tac, comme ça, on a amélioré ça. Hop, on se fait un petit soignance. Petit soignance, voilà. Petit soin, voilà. Voilà, les PV sont restaurés, tout est fait. Et là, du coup, on peut y aller. Bon, du coup. Donc, il va falloir redescendre, j'imagine. Alors, allons-y. Je l'avais pas vu. Allez, pète toi. Voilà, j'ai cru qu'il allait pas péter le chantier. Oh. Allez, ça dégage. Là, on va rencontrer du monde tout le temps, là. Dégage. Allez, on continue, on avance. Là, il y a du monde. Salut. Salaud de fou en fait. Mais non. Mais c'est pas possible. Donc là, j'ai vaincu tout le monde pour mourir comme une merde au milieu du parking. Mais quelle honte. Oh, je suis deg. Il y avait un peu de lumière. Tiens, regarde. J'ai bien fait de mourir, en fait, j'avais oublié des trucs. Alors. Il est où ? Ouais, je vais par là. Esquive parfaite. Voilà, comme on aime. Regarde, je fouille un peu partout. Ils sont deux là. Ok.
Mon plan a fonctionné parfaitement, voyez-vous. Malin le lynx, bien sûr. L'androche se cache pour mourir. Merci. Hein. Et coucou, mon petit le baron, comment vas-tu? T'inquiète, ma petite Maud, t'inquiète. J'espère que ça va, ma Maud. Bon, qu'est-ce que vous allez faire demain de votre journée, les amis hein? Qu'est-ce que ça va faire en... Qu'est-ce que ça va faire de ce jour férié? Je refuse de mourir encore comme une merde. Ok, je vais mourir. Qu'est-ce qu'il y a de beau là? Tiens, il y en a un là. Venez par là, les grumeaux. Là. Allez, venez. Il ne faut pas sauter. Voilà. Prends. Voilà. Mais il a plus de bras. Mais comment il fait pour se battre lui? Oh, mais j'ai presque piqué. Pas de bras, pas de chocolat. Ah, il saute. Ouais, d'accord, il s'auto-explose. Ok. Bon, on est pas mal, les gars. Ok. On a gagné quoi? Encore une explosive. Permet de définir les styles de combat. Ok. Ok. Ah, c'est pas mal, ça. Ok. Donc ça, c'est... On pourra l'utiliser au fameux camp... les fameux camps qui sont pour gagner des points. Ça non. Regarder des mangas et faire du stream. Pas de bras, pas de chocolat. Bah oui. Merde. Le problème, c'est que tu peux pas trop regarder le chat avec un jeu pareil parce que. Tu suis pas un truc et tu te fais défoncer. Ok. Qu'est-ce que ça fait de beau? Ça va super. Alors ce jeu, tu le trouves comment? Eh bah écoute, pour l'instant, j'aime beaucoup moi. Je trouve qu'au niveau gameplay, c'est très facile de prendre en main. On est en mode histoire. Si on ne veut pas rechercher de difficulté pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Ah, regarde, lui, je lui fais un coup de roublard juste pour lui dire c'est par derrière. Là, regarde, là. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Voilà, ça c'est bien joué, l'androche. Hein. Ça c'est du talent, hein. Du talent à l'état pur. J'en ai pas touché un. Hein. Le gameplay, je trouve pas si compliqué que ça pour l'instant. Alors après, à voir ce que ça donnera, mais je trouve qu'au niveau des esquives et tout ça, pas si mal, on n'est pas si mal. Je me suis en repos, mais à Nantes il y a de la pluie, ça craint. Ouais, je suis. Bah aujourd'hui il a fait beau, le baron. Ça a été là. Aujourd'hui on était plutôt pas mal. Ok, donc là on n'a pas le machin pour sortir. Il y en a un qui te vomit dessus. Oui, on est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Moi je suis en repos. Ça me fait penser à la petite partie de jeu qui ressemble à Dead Space. De fou, tu es tellement dommage qu'il y a une flop de remake Dead Space, on n'aura pas la suite, je crois. Mais si, on aura la suite. Bisous, mon petit Dutch, bisous. Attends, il y en a un qui se cache, là. Toi, je t'ai vu, toi. T'es caché derrière. Alors. On ouvre. Il n'y a rien là-dedans, j'ai ouvert. Ah si, on a. Ah, on a une cellule de fusion, c'est bon. Sauf qu'il nous en faut deux. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok, il y en a une autre là-bas. Dans la voiture. Voilà. Donc là, on en a une. Voilà, cellule de fusion. Donc là, c'est bon. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Je vérifie juste si en termes de loot, on n'a pas des choses qu'on peut encore gagner. Voilà, on gagne un peu de sous. Hop. Et on va donc pouvoir ouvrir ici. Ok, R2. Donc là, on en met une. Voilà, et il nous faut la deuxième. Et voilà. Ah oui, pour demain. Oui, bah oui, ils annoncent pourri ouais, au niveau du week-end. Je suis un peu dégoûté. Ouais. Ça va aller, c'est juste que c'est relou. Qu'est-ce que t'as eu, ma petite mode d'amour? C'est repos demain, ma petite mode.
C'est repos de barre. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, il met en avant qu'il y a un camp. Oui, on va aller se reposer, t'inquiète pas. Elle a tout le temps envie de se reposer, cette petite Eve. Attends, il y a quoi avant par là? C'est con, je vais toujours aller voir s'il n'y a pas un truc à crafter dans le coin. Ok, il y a des méchants. Donc on va d'abord faire ce qu'ils nous ont dit. C'est-à-dire on va aller là. Voilà, on va pas faire les fifous. Hop là. Juju avait fait une news, les devs étaient pas chauds du tout. Ouais, non, alors c'est pas que les devs étaient pas chauds du tout, c'était surtout que... Tu parles de Dead Space, RN, hein, non, c'était surtout le truc que, bah, par rapport aux ventes du 1, bah, ça avait pu un peu du cul, quoi. Parce que c'était pas trop, mais bon, l'autre fois, ça a un peu relancé le truc, donc bon, moi j'espère sincèrement. J'espère sincèrement qu'on aura... merde, quel con, je voulais faire ça. Voilà. Exécuter un ennemi par derrière, les gars. Le backstab, comme dirait ma petite Sam d'amour. Le backstab, bien sûr. Oui, ma connexion en mode escargot. Ah, mais j'ai connu ça, ma petite mode, j'ai connu ça. L'équipe a été scindée en deux sur un Iron Man, l'autre sur Battlefield. Ouais, mais moi, je veux y croire. Laissez-moi croire à mon Dead Space 2. Là. J'hésite tellement à le lancer sur Xbox, le 2. Après, il a plutôt bien vieilli, mais quand t'as fait le 1... Je sais pas. Faut pas... Ah oui, c'est pour ça que du coup, il nous encourageait à sauvegarder. Ok, mais calme-toi, Dédé. Ça va bien se passer. Allez, défonce-le, on l'a défoncé. Eh bah, bulldozer ça. Eh, en bestiaire, c'est quand même pas mal parce que... Par où on va, toi, Dédé? On va là-bas. Il y en a un qui est caché juste derrière encore, à nous faire le crevard. Oh bah, non, mais t'es sérieux, toi? Sauter ou pas? Non, je crois pas. C'est pas grave. Hop là, les clics. Prends, et prends. Voilà, ça c'est fait. On l'a dézingué, mais j'ai vu qu'il y avait des mouches. Attends, mais. Humain. Ok. Ah, ok, c'est là. Ok, hop là. J'avais pas vu les petits trucs. Coucou mon petit Rafou, comment il va mon petit Rafou? Oh, on a failli faire boulette les gars. On a failli faire la boulette. Alors fait chier, il y a de l'humain en bas, mais ça me fait chier de descendre si je sais pas comment remonter. Allez, j'aime le risque. J'aime le risque. Voilà, on aime le risque. On va aller voir l'humain qui est là. Bon sang, que fait l'équipe de sauvetage? Nous avons perdu la communication. Oh, mais t'es sérieux? C'est juste pour me sortir ça? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi? Bah, réveille-toi tranquillou, mon petit Rafou. Toi, c'est pas férié chez toi, mon petit loulou? Ça va aller bosser? Sparrow, t'es chiant. Tu le sais que t'es chiant? Est-ce que tu sais que t'es chiant, le chat? Pourquoi les chats sont obligés de monter, en fait? C'est un truc de dingue, ça. Parce que, alors, du coup, est-ce que je me suis fait griller ou pas? Bah oui, voilà, je sais plus. Ah oui, ça, non, c'est là, les gars. C'est bon, les gars, c'est bon, j'ai retrouvé par où faut passer. C'est là. Pas de panique. Pas de panique, on est bon. On est bon. Alors. Lui, je peux lui sauter dessus, le déglinguer ou pas? Ah bah, ouais. Non, j'avais fait la parade. J'avais fait la parade, espèce de crevard de jeu. Voilà. Non mais oh.
jeu est vraiment crevard quand même par moment. Allez hop, ça on prend, cellule de fusion. Allez, on prend des nanos machin. Ça serait bien qu'on trouve un truc là pour se s'améliorer. En tout cas, je trouve ça très sympa le jeu là. Pour l'instant, ça pousse vraiment à l'exploration. Nous as-tu à un moment donné, sauve-nous des Nighty Bash, je t'en conjure, fais-le avant que ma. Okay. Ok. On rencontre vraiment des mecs qui nous servent à rien. Ah là, il y a les bébés. Hop, hop là, hop là, hop là, hop là. Allez, mange là ta calotte. Ah, il en reste un. Attends, mais il en restait un là. Ok, j'ai pas eu. Ok, donc il est là le chantier. Tu dois passer par ici pour atteindre le module. Ouais, merci, merci Serge. Coucou Maletti, comment elle va Maletti? Super. Allez. La route est submergée. Ah, super. Je sais, mais on n'a pas d'alternative. Mais l'eau est froide. L'eau est froide, comment je vais faire? Ok. On peut aller en dessous, ok. Il y a des mecs en dessous. Allez là! Ça c'est chiant. Ça. Quand vous n'arrivez pas à diriger le truc comme il faut, je vais recevoir un signal d'unité. Change de la mort en décembre. Ah oui, oui, bah oui, oui. Ah, emplacement parking souterrain. Ok. On peut respirer tant qu'on veut sous l'eau là? Pff, elle est vraiment trop forte cette femme. Sérieux. Ça doit être là, je pense. Hop là. Hop là. Utiliser. Ok. Astuce. Donc là. Ok. Ok. Hop là. Hop. Astuce. Hein, parce que moi j'ai une mémoire de poisson rouge. Hein. Il va pas me demander de me souvenir des trucs comme ça toutes les deux secondes. Hop là. Allez. C'est bon. Le code est bon. Et ben ça va, ma petite. Ça va, ça va. Tac, tac, tac. Évidemment, demain c'est repos, donc on va quand même pas se plaindre. On est où là? On grimpe à la corde. Ok. Ok. Ok, on va pouvoir améliorer les compétences, les potes. On aime quand on arrive ici. On active le feu, le camp. On active le camp, bien sûr. Oui, je pense que le jour de repos, je suis complètement d'accord avec vous. Voilà, en même temps, les amis, on va quand même attaquer 15 jours. Ou voilà, ceux qui ont les RTT et tout, je pense que vous avez tous mis le paquet sur ces 15 jours qui arrivent. Bah, ceux qui n'en ont pas, malheureusement, oui, ça va peut-être être un peu plus long. Mais on attaque 2 semaines avec quand même une récré au milieu, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre, là? C'est quoi, ça? Ah, mais ça, c'est bien, ça. Esquive parfaite. Voilà, on prend, les gars. Hop là. Donc, ça... Ça, c'est ce qu'on veut, les gars. C'est ce qu'on veut. Amélioration. Total hôpital, mon petit le baron. Ah, je te jure, Sparrow, tu commences à me fatiguer, loulou. Là. Allez, exopine de type enchaînement. On a amélioré le chantier. Hop là. Eve, on peut améliorer du coup. Noyau d'arbre. On améliore, les gars. On va taper plus fort. Là, on n'a rien ici, de ce côté-là. Ok. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est si on veut se téléporter dans le bat. On peut changer la musique. On aime bien faire un petit coup de changement de musique, bien sûr. Et on repart ici. J'étais vraiment étonné quand je t'ai rencontré. Il tape vraiment la discute en mode camping, quoi. Dans la colonie, on racontait qu'il n'y avait plus personne sur la Terre. C'est ce que tout le monde a dû croire. Mais il faut dire que la matriarche ne peut pas tout savoir. Donc, il y a d'autres survivants ici, comme toi? Oui. Mais c'est rare de les croiser. La Terre demeure dangereuse pour les humains. Ah ouais, d'accord. Merci, merci Adam. Vraiment, Adam, hein, quelqu'un d'utile. Évidemment, on vous le conseille, Adam. Hein. La Terre est dangereuse pour les humains. Merci à toi, mon pote.
On n'aurait pas trop deviné avec tout ce qu'on a rencontré depuis le début, mais c'est bien de nous le dire quand même. On sait jamais. On y est. Alors. Où est le module de transport? Essaie d'activer le panneau du monorail. Il n'y a pas de courant. Ah bah tiens, un grand classique, les gars. Va voir la salle de contrôle sous les escaliers. Bah oui. Le grand classique, évidemment, il n'y a pas de courant. Bah oui, bien sûr. Ça, c'est un beau programme, Aliti, ça en valide, ça. Hein. Coup de montagne, rando. Qu'est-ce que c'est encore ? Pour réorganiser le code, pour rétablir le courant. Alors, choisir puissance et position. Ok, ok, donc c'est un truc qu'il faut réfléchir pour tout remplir, quoi. Ça, c'est encore un machin, ça qui va pas me gonfler, ça. Alors. Bon, annule les placements. Annule les placements, annule les placements. Ok. 8. 8, les gars. 4, 3, 4, 5, 6, 7. Là, ces deux-là, ils remplissent le chantier. 6. Ah non. Le 8, il n'y a pas le choix. Il faut le mettre là, je pense. 3 et 2, 6 et 2, 7. Non, faut pas mettre le 8, là. Là, faut mettre le 6. Le 6. Ensuite, tu joues avec le... Si je mets le 3 là, ah non, donc ça perd. Donc non, faut mieux pas le mettre là. Si je mets le 1 là, et si le 8, je le colle là. Je le colle là. Ah putain, là on n'est pas loin les gars. Là on n'est pas loin. On n'est pas loin et on est loin en même temps. Voilà. Là ça fait 8. Non, mais là, on est à des années-lumière, mon ange. Bisous Eden, bisous à toi. Oui, vous pouvez m'aider, hein. Vous pouvez toujours m'aider, moi vous le savez, hein, sur les Pulse. Allez-y. Hein. Je suis pas en mode. Non, laissez-moi, je veux trouver par moi-même. Non, tout le monde s'en fout en fait. Attendez, là je suis pas mal. Là, sans le vouloir. Ah, Calypso. Et voilà, tac. Pas besoin d'aide, madame. Pouah. Une rigolade. C'est super. Réactiver le panneau du monorail. C'est super. Bravo. Oui, mon Sparrow. Qu'est-ce que t'as? Mais non, mais c'est plus l'heure de sortir, mon petit loulou. C'est plus l'heure de sortir. Ben oui, je suis désolé, mon pote. C'est quelque fermé. Chose vient vers nous. Oui, c'est ce qui s'appelle un wagon. C'est le monorail. Mais quel talon. Je vous rappelle, commencez à réfléchir. Hein. Vous devez trouver le titre du replay sur YouTube en mode première qui est le samedi matin. Eve, lève-toi. Ok. Bon, elle s'en remet pas que Tachi. Tachi, elle a pas fait long feu, quoi. Elle a pas fait long feu, Tachi. Eve, tout va bien? Ah oui, tout va bien. Tout va bien. Oh, je repensais juste à ce qui s'est passé hier. Oh, c'est bon, ça, comme titre, les titres. Elle est si calme. Et on s'y sent seul. Oui. Ce qui arrive quand une ville a perdu toute humanité. Eve, que comptes-tu faire après avoir vaincu le Nightiba Alpha? Les vacances. Les escadrons aéroportés n'ont qu'une seule raison d'être. On doit seulement mener à bien la mission. Tu veux dire, exterminer tous les Nightiba? C'est ça?
dire que le seul but de ton existence est de décimer une autre espèce. C'est pas joyeux. C'est super chou, Ludo. Elle a les cheveux qui volent. Et alors attends. Ça veut dire que là, si je veux... Attendez, c'est où qu'on a vu ça tout à l'heure? On s'en fout. Là, on a tous les objets, ça on s'en fout. Est-ce qu'on a des trucs d'ailleurs? Bah oui, maintenant on a gagné des trucs là-dedans. Là. L'endroit, je n'y mets même pas les machins. Il balèque. C'est pas besoin. Combinaison. Là, on en a qu'une. On n'a pas d'accessoire. Ok, c'est pas ça que je voulais chercher. Où c'est déjà la queue de cheval? T'es pas là-dedans? Si, c'était là. Ouais, la queue de cheval qui est dans les trucs. Attendez. Queue de cheval courte. Ça fait quoi, queue de cheval courte? C'est ici. Pourquoi en fait? Je comprends pas. Non, il est pas content, Sparrow. Il veut aller en balade, mais c'est pas l'heure. C'est pas l'heure, Sparrow. Une légion possède 20 000 soldats et tout l'équipement nécessaire à sa mission. Les légions 8 et 15 étaient en poste à Eidos 7. Je me demande combien verront le soleil se lever demain matin. Ok. Ok. On va par où, Dédé? On va par là-bas, apparemment. Hop là. Donc on redescend ici, je pense. Ok. Et le flou, le flou d'elle. Ça ressemble à une ancienne place. Ok. C'est vrai. Même si maintenant elle est sous l'eau. Au moins tu n'auras pas à aller dans l'eau. Le hall des archives est par là. Ok. Allez, on continue encore un peu les amis dans ce découverte poupoune sur Stellar Blade. Préparez-vous à me dire quand même si vous avez kiffé ou pas. Cette découverte, les potes. Ah bah il y a un camp, j'avais même pas fait gaffe. On a un petit camp qui était là quand même. Magasin, non, j'en ai pas besoin. Hop là, allez. Voilà, les PV restaurés, on est tout bon. Allez, allons à la salle d'archives là-bas, là. Elle a une tenue quand même, elle est dans un monde de poussière et tout. La tenue tient bien. Donc. On est pas sur un latex à deux balles. Oh, mais l'arme a fait beaucoup plus mal, dis donc là. Ok, là. Il est énervé. Il est énervé, mais on l'a déglingué. Ok, donc là, il nous faut un mot de passe, bien évidemment. C'est verrouillé. Le code de sécurité se trouve sur un des soldats de la légion. On est obligé d'explorer le centre commercial. Voilà. Cherchons la légion dans le bâtiment de la place. Donc, nous, on veut aller là, mais il nous faut trouver un soldat, forcément. Ouais, le gameplay est vraiment bon. Franchement, manette en main, moi, je trouve très très bon. Oh, tu me récompenses même pas, là. J'avais trouvé un super endroit, là, dans les arbres. Digne d'une cachette. Pas grimper. On peut pas grimper. Ok, donc là, il n'y a rien. Alors, le centre commercial. Là, il y a un peu trop de monde. Il est plus prudent de rester à distance de l'eau. Oui, moi aussi. On dirait qu'il y a du courant par ici. Ok. Donc là, il y a un mec, là, qui est là. On peut pas se mettre en mode chuchu. Voilà, lui, on l'a désingué direct. Ah, est-ce qu'on l'a trouvé direct? C'est quoi ça? Que tes souvenirs perdurent pour toujours. Ok.
On a gagné un noyau, je sais pas quoi ça sert, mais on a gagné un noyau, les amis. C'est déjà ça. Bon, on veut un corne. Il n'y a pas de corps ici, apparemment. Hein. Il n'y avait que ça, là. Astuce. Trouver le cadavre. Ouais, bah merci, super. Ça, c'est de l'astuce, les gars. Est-ce que je vais pouvoir passer sans les réveiller, eux? Oui, apparemment. Alors, on a du polymère. La musique est vraiment très bonne. Hein. Franchement, la bande son est top. Hein. Ah, là, on peut monter. Hop. Ok. Ouais, tous ces gens-là, j'ai vraiment pas envie de les réveiller. Hein, pour le coup. Là, alors attendez, on va se mettre là. Est-ce qu'on va trouver le corps du bonhomme? Bon, bon, on a fait tout un tour de piste, les gars, il n'y a pas de corps là. Rise of the Ronin, très bon, mais perso, j'ai trouvé inutilement long. Ah bah pour l'instant c'est ce que je disais, on en parlait en tout début de découverte Poupoun, parce qu'avec mon épouse on s'est fait Shogun ce week-end, on a dévoré la série que j'ai adoré, et moi c'est ce que je disais, quitte à choisir, et pourtant j'étais sur Rise of the Ronin, bah c'est con hein, mais je préfère Ghost of the Tsushima par l'ambiance, non tombe pas dans le... ok, là faut pas grimper. Là, il y a un truc en bas, mais je sais pas c'est quoi ça. Je sais pas si on a le droit. Parce qu'après, je peux remonter où? Si, tu vois. On s'en fout. Mais non, je suis en train de canner en fait. Hello, mon Eli. Oh non, mais vas-y, sérieux là. Je suis en train de canate. Et pourtant, il m'a dit t'approches pas de l'eau. Hein. Faut être con. Hein. Bon, du coup. Et du coup, il m'a laissé quand même ce que j'ai gagné tout à l'heure. Celui, il va être encore là, là. Donc lui, on va lui refaire la même. Lui, on va lui refaire la même. On va attendre qu'il se retourne. Écoute, j'aime beaucoup, ouais. Le début de jeu, là, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la... Je trouve que la prise en main est pas si compliquée que ça. Et la musique, j'aime énormément. Les combats sont plutôt jouissifs. Franchement, très belle surprise pour l'instant, ce Stellar Blade. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, après, je suis en mode normal. Je suis en mode histoire. Et déjà, je trouve que déjà, en mode histoire, déjà, il est cossu, déjà, le bébé, là. Polymère avancé. Ok, très bien. Bon, ça nous dit pas où est le mec, là. Trouver le cadavre d'un légionnaire dans les bâtiments de la place. Ok. Mais je veux bien trouver un légionnaire dans les bâtiments de la place. Alors attendez. Silent Hill, moi j'attends énormément Silent Hill et Until Dawn. J'avais énormément aimé, putain. Qu'est-ce que c'est bon ça aussi. On le refera, je pense, en découverte Poupoun là, Until Dawn. Excellent jeu. De quoi pondre? Prends le pont à gauche, puis go à droite. Prends le pont à gauche et go à droite. Merde, je sais pas si c'est... Ah oui, bah tiens, c'est là. Ah bah oui, bah évidemment. Évidemment, Dédé, il a réveillé tout le monde. Okay. Réveille pas les autres, toi, Dédé. Alors, est-ce qu'il j'ai a le code? Une note cachée ici. Voilà, c'est bon, on a notre note. Là, retournons-y. Allez. Let's go. Attends le remake, remaster qui sortira en fin d'année. Lequel tu parles, le baron? Oh, il est devenu une machine de guerre, les gars. Par derrière, on peut pas le déglinguer, quoi.
Ah, il m'a chopé carrément. Carrément, monsieur. Mais excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, je voulais pas vous défoncer. Ah, regarde, ça dégage. Ça dégage. Until Dawn. Ah oui, non, mais Until Dawn, c'est. Bah, justement, c'est Mélissa qui en parlait tout à l'heure sur le live à Caro. Des. Je vois que Ludo, vous m'épargnerez hein, le moindre truc. le moindre gameplay savoureux, je peux vous dire que Ludo, il le prend. Mais c'est Mélissa tout à l'heure qui parlait qu'elle adorait ça, justement, les jeux narratifs d'horreur. Ok. Ok, donc ça, on a compris ce que c'était ce genre de truc-là. À chaque fois, c'est quand il y a du boss à les fighter. Allez, utiliser le magasin. Il n'y en a pas besoin. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout ici. Voilà. Là, on peut rien améliorer. Là, il nous en manque un. L'exopine, il nous manque des choses. Hop, donc on va juste poser ses fesses dans le truc. Adam, tu rencontres souvent les membres des escadrons aéroportés ? Non, pas tellement. J'étais vraiment là par hasard hier, tu sais. Je n'avais jamais vu une opération aérienne. Le hasard a bien fait les choses, disons, on va dire. Pourquoi m'avoir sauvé ? Je ne sais pas vraiment. J'hésitais. C'était je suis passé instinctif. Par là. L'ordre normal des choses. Bah oui, pourquoi pas ? C'est difficile à décrire. C'est juste un sentiment irrépressible. D'accord, très bien. Très bien, Adam. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir que j'ai eu un coup de chance. Je pensais qu'il était vraiment venu me sauver, mais non. Non, Outlast Trials, Mélissa, oublie. Oubliez, madame. Oubliez, madame. Ok. Exactement ce qu'on attendrait d'une pro. D'abord, je suis un pro. Consommable de combat, utiliser des consommables de combat, les grenades et tout. Ok, ça j'ai vu. Ça j'ai vu qu'on pouvait acheter dans le bouclard. Pour l'instant, on a beaucoup économisé. Hein. Là, on est bien, les gars. Ok, donc là, on a un petit corps. Une nouvelle unité va être envoyée de la colonie. Voilà, déjà bien longtemps que la dernière guerre s'est achevée. Un matriarche a enfin répondu à notre appel que la mort s'abatte sur ses abominations. Ok. Et merci Maléti. Mon nom est Maximus Decimus Meridius. Voilà. Merci à toi pour le resub, Maléti. Merci beaucoup du soutien. Merci à vous les amis. Vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir la chaîne, que ce soit sur YouTube, Twitch ou Patreon. Merci beaucoup à vous. Hop là. Hop là. Je scanne parce que. Le level design est quand même très bien fait parce que mine de rien. Il n'y a même pas besoin trop de suivre avec Adam. Je trouve que le chemin se trouve assez facilement en fait. Alors ça par contre les gars, ça je suis désolé, mais ça je comprends pas. Là, je vous jure, manette en main, même Nathan Drake, non, mais, même Nathan Drake il fait plus souple. Tu devrais essayer de sauter et de te lancer. Ouais, ouais, merci. Merci d'aider. Ouais. C'est un truc de dingue ça. La physique, incroyable. Elle se bat, vous avez l'impression qu'elle vole la fille. Et puis d'un coup, pour qui, pourquoi ? Elle a une chape de plomb. Elle a une chape de plomb. Et elle n'y arrive plus, quoi. Alors, allons-y, on recommence. Donc. Ok, très bien. Très bien, madame. Très bien, madame. Vous avez décidé de me faire chier, à ce que je vois. Je vois bien. Je vois bien. Ne vous inquiétez pas. Je comprends mieux ce que disait Juju sur les phases de plateforme. Je sens que ça va être un grand moment de bonheur quand on va attaquer ça. Donc là, hop. Non mais retourne-toi pas. Retournez-vous, madame. Ça se passe par là-bas. Non, non, ça se passe dans l'autre sens, madame. Ça se passe dans l'autre sens. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non mais elle veut pas, hein. Non, non, mais non, 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 mais ça sera pas par là. Voilà, merci madame. Allez, hop là. Se balancer. Voilà, on se balance. 1, 2, et 3. Voilà.
Allez, on repart. Je vais remettre un coup de stif parce qu'en plus je suis en train de perdre la vie avec ces conneries. Allez, on regrimpe. Oh là là, c'est un truc de dingue ça. Ça pour l'instant, c'est un petit détail, hein. Mais ça c'est le truc, ça me gonfle. Coucou mon petit Aguab, comment ça va mon poteau? Ah ah ah! Vous n'avez pas dit le mot magique! Ah ah ah! Ah, dans les airs, appuyez sur O pour effectuer un plus grand saut, les gars. Ah ouais, d'accord. Et Otim le dit une fois que je me suis éclaté la gueule deux fois. Mais pourquoi elle fait ça par moment? Ok. La musique est dingue. Ok, ok. Ok. Et sur YouTube, jeudi les amis, dans le 60 MTC, en live, on le rappelle, comme tous les premiers jeudis du mois. Hop là, toute la bande du 60 MTC, jeudi soir, 21h sur YouTube. Donc si t'es pas abonné sur YouTube, c'est le moment d'y aller. En même temps, je me dis, pour ceux qui verront ce replay en première sur YouTube, et ben, le 60 MTC sera passé, puisque les premières, c'est le samedi matin. Ok. Là c'est bon, donc ça ok. Donc là on descend. Par où on va? On va par là-bas. Ok. On va par là-bas. Ok, là il nous faut un mot de passe qu'on n'a pas. Quitter. Ah oui, quitter, j'ai pas le mot de passe, madame. Il faut un code à 4 chiffres. Ah oui, pour pas changer. Encore une énigme. Ok. C'est la petite araignée de merde qui m'a touché derrière en fait. S'ouvre pas, très bien. Ça ne s'ouvre pas, très bien. Alors ensuite, où est-ce qu'on peut trouver ce code? On a encore des magnifiques perches que nous aimons, bien sûr. Attention, ouais. Incroyable. Le talent, bien évidemment. Encore une chute comme on aime. Donc là, ça ne marche pas en fait en automatique, les trucs. Hop. On arrive en dernier, faut dire bonsoir à tout le monde. Bah oui, c'est ça, Guav. Ça, c'est le truc qui grille tout à chaque fois. Bon, alors, on recommence. Hop. Donc là, du coup, là. Donc là, tout ça a l'air prêt. Non, non, mais pourquoi elle fait ça, là? Ça n'est rien. Okay. Et là, c'était quoi l'idée en fait? Une fois que je suis tombé comme une merde, regardez l'heure sur l'horloge. Il est 12h20 et donc. Ah, c'est le code à 4 chiffres. Ok, 12, 12, 25. Ok, Dédé. Ok. Bien joué. Bien joué, évidemment. Ok. Ok. Tout ça pour ça, en fait. Hop, le protocole M. Il ne nous donne pas la batterie. Je contiens avec nous. Ok.
On peut se reposer. On peut se reposer, on peut... Hop là, comme ça, on va se refaire un petit peu. Oui, ça fait mal. Je confirme, Maud, ça fait très mal. Eh ben, écoute, Agua, moi, j'aime beaucoup pour l'instant. Moi, j'aime beaucoup ce petit jeu. Bon, il y a un peu de la physique par moment qui m'énerve, mais je trouve que le gameplay, la musique, franchement, en fait, ça donne envie d'avancer. Hein. Le hall des archives. On y est presque. C'est où ? C'est en dessous. Ok, donc là. Comment ça ? Tout à l'heure, on n'a pas de gagné de... Tout à l'heure, sur la petite chaise, en fait, on n'a rien gagné. Ok, on a restauré. Ok, le hall est là-bas. Donc le hall est là-bas. Donc on continue. Hop là, la grimpette. Hop. Moi je suis estomaqué qu'avec des talons elle arrive à faire autant de choses quoi. Memory Tower. C'est un monument de la victoire. La tour mémoire si vous préférez bien évidemment. Le hall des archives est juste en dessous. Ok. 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 Il y a des araignées encore. On aime les araignées, bien sûr. Hein. Des araignées scorpions. Hein. On sait même pas trop d'ailleurs ce que c'est ces trucs-là. Ok. Il y a lui là-bas. Là. Est-ce qu'il est. Il est un peu tôt. On court en talon tout autour, mais il n'entend rien. Rien. Ah, c'était trop beau les gars. Hello Footrix, comment vas-tu? Le système a été réinitialisé quand le courant a été coupé. Il faudra vérifier les identifiants quand le courant sera relancé. On peut pas forcer l'entrée? On va éviter. Si le système de sécurité s'enclenche, on ne pourra jamais entrer. Ok. Plus tard, il est reconnecté. Il faut trouver un moyen de sauvegarder et d'exporter les données des archives, nous parlons les copies. Ok. J'ai analysé les identifiants. On va devoir rétablir le courant. Le courant. Eh bien, écoutez, les amis, voilà. Bah, écoutez, moi, ça me semble pas mal. Regardez, on va se mettre devant la tower, devant cette magnifique vue, et puis on va se mettre ensemble. Franchement, et c'est beau, hein. C'est magnifique ce jeu, magnifique, franchement, moi j'ai beaucoup aimé cette découverte, allez je reviens avec vous, hop là, rated M for mature. Non, on veut pas la bande-annonce, non, on ne veut pas la bande-annonce, voilà, on veut juste revenir avec les copains, et bah écoutez les amis, moi j'ai énormément aimé cette découverte de Stellar Blade, on remercie encore PlayStation, avec qui nous a envoyé la clé, du coup, qui nous permet de faire cette découverte ce soir. Moi, je vais avancer de mon côté, j'essaierai de vous faire un avis sur la fin du jeu. Est-ce que c'est accessible? Est-ce que les gens qui aiment les solos narratifs comme moi, est-ce qu'on y trouve son compte dans ce jeu-là? Bah, j'arrive, 2 secondes. Bah oui, elle est où, Mélissa? Mais Grognard, c'était le premier à t'être plein. Non, il est toujours en train de se plaindre, de toute façon, cette dame. Mais du coup, moi, j'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc, du coup, on va vous lancer. Alors, attendez, bougez pas, on va faire les choses bien. Alors attends, ce que je vais faire, est-ce que si à mon petit Ludo, ma Alison pouvait lancer le sondage, est-ce que le Stellar Blade pour vous sur cette découverte, est-ce que c'est un oui, est-ce que c'est un non? Dites-nous là ce que vous en pensez sur les 3 minutes au niveau de tout ça. Pendant ce temps-là, Landrosh, ce qu'il va faire, il va faire un truc très intelligent, parce que évidemment, hein, vous n'en doutez pas, Landrosh est très intelligent, bien sûr. Il va aller dans Système, Paramètres. Ça sauvegarde tout seul. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de sauvegarde manuelle. Hop. Et bon, j'ai pas l'impression. Bon, écoutez, j'ai pas l'impression que ça a dû sauvegarder
totalement le chantier. Et ben, ça a totalement le chantier. Et bon, écoutez, si ça a sauvegardé tout le chantier, on aime bien du coup. Tac. De toute façon, au pire des cas, il y avait le truc qui était pas très loin. Allez, voilà, comme ça, ça me permet, hop. Voilà, je passe en mode repos de ce côté-là, je remets, je ferme, et comme ça je vais pouvoir être avec vous sur les 5-10 minutes qui nous restent à passer ensemble sur la fin de ce Découverte Poupoune. Le sondage a été lancé de l'autre côté pour l'instant. Oui, voilà, j'hésitais à mettre un balèque, mais je vois que les modérateurs suivent évidemment l'Androche dans leur pensée. Pour l'instant, c'est un grand oui à 71%, non à 29%. N'hésitez pas à nous mettre dans le sondage votre avis. J'en profite, mon Androche, tu es dispo, Gidi? Oui, c'est, oui, je serai dans le coin. Je serai dans le coin, mon Aguab, sans souci. Sans souci, sans souci. Le baron, j'ai voté. Qu'est-ce qu'il a voté, mon baron? De quoi il a voté? J'adore le chapeau Crash Bandicoot de Mélichant. Ouais, bah, cette animation est très très forte. Et on remercie encore Aguab, hein, pour à qui on doit toutes ces belles animations. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Qui est dessus, là, en ce moment, sur ce Stellar Blade? Et comment vous trouvez ceux qui sont dessus? J'ai vu tout à l'heure, il y en avait quelques-uns qui mettaient qu'ils étaient pour l'instant... notre Eli, hein, qui a mis qu'il était... complètement hypé au niveau du jeu, qu'il était embarqué dedans. Le vide, mon pire ennemi du jeu. Évidemment, j'irai voir tous tes clips de crevard, mon Ludo, quand je serai dans le lit, bien sûr. Hein, les talents, bien sûr, les talents. Donc, Mélissa Mourinho, elle allait juste passer pour dire que elle voulait juste faire Outlast Trial, c'est assez barré, en fait. Mais quel grognasse, je vous jure. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Et après, j'ai bien aimé le nom que vous avez mis pour le mode première. C'était toi, Letty, tout à l'heure. T'as mis quoi, Letty, déjà? Est-ce qu'elle est encore là, Letty? Qu'est-ce qu'elle a mis, déjà, pour la première? Le caoutchouc, c'est chou, une connerie comme ça. Ou c'est Ludo qui a émis ça? Alors, je suis en recherche tout ça. T'as du mal à accrocher aux jambes, Agua. Après, je peux comprendre. Le plastique, c'est fantastique, voilà. Mais le caoutchouc, c'est chou. Voilà, on va pouvoir mettre un truc comme ça. Mauvaise langue, Daddy, ça bouge pas. Mais ça joue à... Elle fait quoi, Madame Michou? Elle est en train de jouer à quoi? À quoi ça joue? Mais laissez ma commodo tranquille, monsieur Andranche. Excusez-moi, j'ai vu beaucoup Ludo bosser ce soir. Ludo, je vous félicite ce soir, vous avez été efficace. Ludo, il était partout, il était au four au moulin, Ludo, ce soir. Le plastique, c'est fantastique. Ouais, c'est ça. Et toi, après Ludo, c'est toi après qui a remis le caoutchouc, c'est chou. Mais le plastique, c'est fantastique, ça. Je valide pour la première de samedi matin. À rien. Elle joue à rien. À que dalle. La santé va mieux quand même, toi? La santé, ça va mieux, là? Au niveau des reins et tout. À quoi ça va jouer d'ailleurs, là, les amis, demain, du coup, sur ce jour férié? Sur quoi vous allez être? Dites-moi, là, avant qu'on se quitte ensemble. Je vous rappelle d'ailleurs le programme qu'on a ensemble. On se retrouve jeudi soir sur YouTube. Donc, si t'es pas abonné sur la chaîne YouTube, c'est le moment d'y aller pour le 60 MTC du mois de mai. Voilà, où je serai avec Mélissa, avec Crixus. Et avec Benoub, voilà, le bro Benoub, Crixus et Mélissa, on sera tous les quatre pour ce 60 MTC de mai avec des sujets. Bon, je vais déjà vous les dire, les amis, parce qu'on vous attend, évidemment, hein, vous pourrez venir participer à ce live. Pour ça, il suffit d'aller sur le Discord, hein, point d'exclamation Discord si vous êtes sur Twitch. Les sujets qu'on va aborder, est-ce qu'aujourd'hui, si on n'a qu'une Switch à la maison, est-ce que ça suffit en 2024 pour pouvoir s'occuper en termes de jeux vidéo, point d'interrogation? Eh bien, écoutez, on en parlera avec les copains, puisque c'est vrai qu'avec la sortie de la Switch 2, qui est probable pour 2025, on ne peut pas dire que là, la Switch brille par des sorties tonitruantes en cette début d'année 2024. On en parlera jeudi. Est-ce que le jeu vidéo, c'est trop cher? Est-ce que vous trouvez ça trop cher aujourd'hui? Est-ce que quand vous voyez que des jeux qui arrivent à 90, 100, 119 pour des éditions de luxe aujourd'hui qui arrivent sur le marché, est-ce que pour vous c'est trop cher? Et à quel prix ça devient rédhibitoire pour vous au niveau d'acheter un jeu vidéo? Et bien vous pourrez venir aussi en parler avec nous en live sur le 60 MTC via le Discord en vocal. Et puis enfin, le dernier sujet qu'on abordera jeudi soir, avant évidemment de revenir sur les actualités du mois d'avril, eh bien ça sera sur vos coups de cœur de ce début d'année depuis mai, c'est-à-dire 5 mois se sont écoulés, enfin 4 mois complets se sont écoulés. Quel jeu aura retenu votre attention en ce début d'année? Eh bien écoutez, on en parlera là aussi avec nos invités jeudi soir 21h sur YouTube.
tube. Alors, ça va jouer à quoi, dites-moi. On va sauver la démocratie avec mon binôme Gousquoi. Tu sais que Calypso, quand même, j'ai essayé de te rejoindre deux fois, et deux fois, t'étais complète. Deux fois, j'ai pas pu aller sauver la démocratie avec toi. J'étais triste. J'étais vraiment triste. On va platiner Divers 2 avec Calypso. Gousquoi, ça fait trois jours que tu me dis que tu vas le platiner, le truc est toujours pas platiné. Il va falloir du résultat, commandant. Il va falloir sauver la galaxie, à un moment donné. Dead by Daylight, et puis je termine une nouvelle run sur Resident Evil 4. Oh bah dis donc, mon petit baron, on reste sur du jeu déjà sorti. Hein. Je vais essayer de dodo, car demain matin, on va chercher... Hop là, merde, ça a été trop vite. On va chercher ma maman qui sort de l'hôpital, et ça fait deux jours que je ne dors quasiment pas. Pas de jeu pour moi demain, car ce sera retour au barquet à 5h30. Énormément de cœur et de courage à toi, mon Aguab. Beaucoup de force à toi, mon petit lapin. Toujours FF7 Rebirth, c'est Harold. T'es toujours sur Harold d'Aribut, mon Ludo. T'es toujours là-dessus. Incroyable. 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 Bravo. Tu nous diras ce que t'en as pensé dans la section jeux vidéo indé sur le Discord. N'hésite pas à mettre ton ressenti par rapport à tout ça. Moi, sur Banisher, ma petite slide, avant de faire Stellar Blade. Banisher, une dinguerie. J'ai adoré ce jeu. J'ai adoré ce jeu, avec des défauts, mais j'ai tellement surkiffé ce jeu. Moi, je me plais toujours sur Palia. Ah oui, tu me l'avais dit, Chantal, en effet, et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Calypso, je suis un peu une star. Oh, déconnons pas quand même, madame, s'il vous plaît. J'ai plus que 4 trophées à avoir pour Gousquoi. Ah, est-ce que c'est pas les plus compliqués, Gousse? Est-ce que c'est pas les plus compliqués? Ah, on sait jamais. Qu'est-ce que ça a donné le match de Ligue des Champions, le baron, à ceux qui ont regardé, là? Parce que ça doit être torché, là. Bah oui, il est bientôt minuit. Bah, plus ça va, il découvre Poupoune, plus ça finit tard. Ça, c'est de votre faute, ça. Bon, en même temps, on travaille pas demain, donc ça va. Bisous, mon Aguab, bisous à toi, courage pour demain encore. J'aime bien Harold, c'est un jeu qui travaille beaucoup sur les interactions sociales, sociologiquement. C'est intéressant. Ah, ok. Non, on a fait plus difficile. D'accord. 2-2, ok. Du call off pour Allison. T'as raison, faut aller déglinguer du monde, ça fait du bien. Ça soulage ça au niveau mental, c'est bien aussi. Donc voilà, courage et plein de force. Donc voilà les potos, allez, Zag, sur ce, on arrête ici pour ce soir au niveau de ce découvert Poupoune. Demain soir, je le rappelle, mercredi, en mode première, 20h30, vous avez la nouvelle pastille 100% qui est sur YouTube, que je vous invite à aller regarder avec le bro Eli, où on parle de la Team VF, Team VO, de quelle catégorie êtes-vous. Elle est déjà disponible pour les membres soutien YouTube et Patreon. Donc n'hésitez pas déjà à mettre votre petit commentaire et à nous dire votre avis sur la question. On passera évidemment y répondre. On se retrouve après pour le prochain live jeudi soir en mode 60 MTC en live sur YouTube comme tous les premiers jeudis du mois. Mois de juin, ça sera pas vrai parce qu'on se retrouvera fin mai. Voilà, parce que le mois de juin, vous avez compris que la première semaine de juin va être occupée par la Summer Game Fest qui, à mon avis, va prendre tout le train. Donc on fera ça le 30 mai. Après le prochain 60 MTC pour revenir sur le mois de mai. Merci beaucoup de votre présence ce soir, la petite trentaine là qui avait été avec moi. Vraiment une très très belle soirée et ce Stellar Blade. Eh bien écoutez, c'est du validé. Moi je vais le continuer de mon côté. J'essaierai de vous faire un retour sur le jeu, sur mon ressenti global. Est-ce que ça vaut les jeux solo narratifs cinématographiques entre guillemets chez Sony? Est-ce que ça fait plutôt plaisir? Eh bien écoutez, on en parlera. Un grand merci à toi mon Jean-Pierre, le Baron, ma Alison, mon Ludo et ma Mélissa, les modos, merci à vous pour cette soirée. Mon petit LVB, mon petit JP, mon Gousquoi, ma Calypso, mon Aguab, mon Riaz, ma Letty qui est passée, ma Maud, j'en passe et les meilleurs, qui sait encore qu'on a eu, il y a Dylan qui était là, il y avait Théo, Chantal évidemment, hop, je remonte vite fait pour ceux qui ont interagi. Avec moi dans le chat, il y avait Footrix. Enfin voilà, je vous fais tous des gros bisous. Évidemment, on va aller faire un petit raid des familles, comme d'habitude, histoire de faire les choses bien. Et notre fille, c'est une blague ou pas? Bon, j'ai pas compris. Tac, parce que je reçois des messages en même temps. Faut que je traduis tout ça. Tac. Hop, du coup, alors, qui c'est qu'il y a de beau en live, les potes? Hop là. Hop là, qui c'est qu'il y a, qui c'est qu'il y a, qui c'est qu'il y a, qui c'est qu'il y a? Hop là, je regarde vite fait, je regarde vite fait, je regarde vite fait. Il y a Mademoiselle Julie. Allez, Zag, je vous envoie faire un petit coucou à Mademoiselle Julie, les amis. On se retrouve demain soir en mode première et jeudi, évidemment, pour le 60 MTC, je vais préparer
tout ça au niveau du raid. Comme d'habitude, hein, le petit raid, c'est le petit soutien qui fait toujours plaisir. Allez faire le petit coucou. Vous avez été 75% à solliciter Stellar Blade ce soir, qui pour vous a été une très belle découverte. Bah écoutez, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Hop là, elle est là, mademoiselle Julie. Elle est sur quoi? Elle est sur du permadeath, sur Assassin's Creed Mirage. Pour pas changer, évidemment. Sur tous les potes, on n'oublie pas, parce que c'est le plus important avant de se retrouver jeudi soir. Le virtuel, c'est bien. Bah ouais, sinon on serait pas là et on n'aurait pas passé encore une très bonne soirée ensemble. Mais le réel, c'est quand même mieux, bon Dieu. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain dans le char en mode première. Et sinon, jeudi soir pour le 60 MTC. N'oublie pas le petit pouce, le commentaire et l'abonnement. Ça fait toujours plaisir. À bientôt. Ciao, ciao, ciao. Et la petite musique pour Alison, bien sûr. Passez le coucou à Julie. Donnez-lui de la force, permadez sa mort à son vin. On clique sur YouTube pour s'évader. La team Poupoum, toujours prête à délirer. On se retrouve devant nos écrans pour voir le 60ème du 6, c'est parti, allez. Et découvert jeux vidéo, on en redemande. Allez. YouTube et Twitch, on est tous accros. Avec la team Poupoum, on est les plus chauds. Dans nos rires et nos fous rires, on se reconnaît. On entre chez les jeux vidéo, c'est ça qu'on aime. Yeah. Allez, je vous souhaite encore une très bonne nuit, les amis. Merci pour cette soirée. Et à très vite sur les chaînes de l'Embroche. Et à tout de suite sur le Discord pour souhaiter la bonne nuit. Bisous, bisous.